Touch and hold. Engage. On ferraille dur, on bataille toute une saison pour s'offrir un soir d'exception, un soir de finale. Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de France. Castres remet son bouclier de Brennus en jeu face au rugby club toulonnais, tout fraîchement auréolé d'une deuxième couronne européenne après son succès face aux Saracens la semaine dernière. Alors pour qui le doublé ce soir, Fabien Galthié? C'est la question que tout le monde se pose. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Deux belles équipes, des équipes qui ont des arguments à tous les étages. Il va y avoir beaucoup de pression à gérer, beaucoup d'intensité dramatique. Ça sera sûrement la capacité la plus forte à maîtriser le suspense, à maîtriser le stress qui l'emportera à la fin du match. L'ambiance monte évidemment ici au Stade de France, stade archi-comble ce soir pour cette finale de championnat avec son lot d'émotions évidemment dans le camp toulonnais avec la der de Sir Johnny Wilkinson qui a tout gagné durant sa carrière sauf le bouclier de Brennus. Pour la troisième année, il revient avec le rugby club toulonnais pour espérer décrocher ce fameux bout de bois. On le voit ici motiver ses troupes. C'est un moment évidemment particulier pour l'une des légendes vivantes de notre sport. Auteur d'une saison exemplaire, il fait une grosse saison, il amène son équipe en finale. Il est exemplaire, vous l'avez dit, en dehors du terrain comme sur le terrain. C'est une équipe de stars qui a envie de suivre leur guide qui est Johnny Wilkinson et qui a envie de lui faire un joli cadeau d'adieu. Il y aura tout un cérémonial autour de ce match et de Sir Johnny Wilkinson. Les joueurs toulonnais arboreront un merci Johnny sur le col de leur maillot et les supporters toulonnais ont même prévu à la 10e minute de ce match d'entonner un God Save the Queen à Paris. Imaginez un petit peu le spectacle. Alors évidemment Toulon peut compter sur cette force là, cette force supplémentaire Johnny Wilkinson, mais Castres également a des arguments à faire valoir. Et évidemment quand on parle d'arguments du côté de Castres, on pense à ce joueur là Rory Cocotte qui avait fait basculer la finale l'an dernier, on s'en souvient tous, c'était juste avant la mi-temps cet essai qui avait un petit peu coupé les pattes des Toulonnais. Ouais, le Sud-Africain arrivé en tant que joker médical il y a 4 ans à Castres, s'est révélé, a été élu le meilleur joueur de la saison dernière. Il est en train de tracter, de tirer Castres vers le haut sur cette fin de saison. Il sera surveillé de près par les Toulonnais car il aurait fait très très mal, vous l'avez dit, juste avant la mi-temps. Deux équipes qui ont un destin très différent. Alors c'est vrai que Toulon a occupé la scène médiatique cette semaine, on a beaucoup parlé des Toulonnais depuis leur sacre européen, et à l'inverse eh bien Castres arrive masqué comme bien souvent, mais Castres sait se transcender lors des grands événements. En 5 finales de championnat, Castres a remporté 4 boucliers de Brennus, Fabien. Sûrement un record d'efficacité, les Castres qui se présentent souvent gagnant au dernier rendez-vous de la saison. C'est une équipe, en tout cas cette génération-là, c'est une équipe qui a su mûrir depuis peut-être 4-5 ans. D'abord des demi-finales, et puis la dernière est arrivée en finale et a arraché le titre alors qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Ils sont arrivés encore en finale cette année et ils sont capables de faire le doublé. Et le voilà, le bouclier de Brennus qui arrive au-dessus du Stade de France avec cet hélicoptère et les forces commando françaises, parce que oui, à l'occasion de cette finale, nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale, et à cette occasion, la Ligue nationale de rugby a prévu de faire le spectacle en mettant à contribution les armées françaises. Ce soir, on commence par l'armée de l'air avec cet hélico qui va se positionner maintenant juste au-dessus du Stade de France. Et les commandos vont descendre en rappel. Je crois, Fabien Galthié, que vous maîtrisez bien l'hélicoptère, vous aussi. Ouais, là, il ne faut pas avoir le vertige. Avec les images du CES, c'est assez impressionnant. C'est un spectacle, j'ai l'impression qu'il signe un peu Max Guazzini. On sent la patte du metteur en scène avec l'arrivée spectaculaire du ballon et maintenant du bouclier du ciel. C'est une véritable prouesse que sont en train de réaliser ces hommes-là. Imaginez un peu, il y a eu des répétitions, il a fallu décapler certaines caméras qui étaient accrochées tout en haut du toit du Stade de France. Et les voilà qui maintenant se jettent pour amener le bouclier Brennus au centre du terrain. Image spectaculaire ce soir pour ouvrir cette finale de championnat. Fabien Galthié, regardez le bouclier. Va descendre maintenant en rappel. Vous seriez capable de faire ce genre de choses? Le Graal qui vient du ciel, parce que tous les joueurs de rugby et notamment de première division en France rêvent un jour de ramener chez eux. Il arrive du ciel, image symbolique et spectaculaire.
pourtant un bouclier Brennus, ça ne tombe pas du ciel. Hein, Fabien Galthié, vous en savez quelque chose. Il faut vraiment donner toutes ses forces dans la bataille au cours d'un long championnat de France pour s'offrir une soirée comme celle-ci et une finale. Il fallait le chercher. Évidemment, les supporters toulonnais en rêvent. Depuis 1992, ce bouclier n'est pas revenu sur la rade. L'an dernier, Castres avait réussi à ramener ce bouclier après 20 ans de disette. Castres, qui a déjà réalisé un doublé en 49 et 50, espère réécrire l'histoire ce soir et se réapproprier ce bouclier qui est maintenant sur la pelouse du Stade de France avec les commandos français, oui Fabien. Ouais, et on voit, on peut deviner tous les vainqueurs, toutes les villes, tous les clubs qui ont gagné ce bouclier depuis plus d'un siècle. On va peut-être jeter un petit coup d'œil dans les deux villes qui vont évidemment vivre ce match avec beaucoup d'intensité et d'émotion. 11 500 supporters castrais sont au Stade de France ce soir. C'est quasiment un quart de la ville de Castres, mais évidemment place de Soult. Eh bien, regardez un petit peu ce monde qui est présent, et de l'autre côté au Stade Mayol, les supporters toulonnais qui attendent évidemment maintenant le sacre français après le sacre européen. Alors je vous disais, on commémore ce soir le centenaire de la Première Guerre mondiale, et à cette occasion bien les spectateurs qui se sont rendus au Stade de France ont pu découvrir tout le matériel qui était à disposition de nos armées durant la Grande Guerre, avec ces chars d'assaut évidemment. On a vu aussi les taxis de la Marne hein, qui en 1914 avaient acheminé 4000 hommes pour venir défendre Paris face à l'avancée allemande. La Légion étrangère est là ce soir. Un grand spectacle. Ouais, c'est un bel hommage que le rugby rend à ces combattants qui ont tout donné pour la France. Il y avait dans ces équipes beaucoup de joueurs de rugby qui sont allés au combat, comme tous les citoyens français. D'ailleurs, des stades, Amédée Domenech et Giral portent le nom de grands combattants qui ont laissé leur vie sur le terrain. Ou encore Alfred Armandy, et d'ailleurs Philippe Plafond nous proposera un magnifique sujet pour rendre hommage à ces hommes, à ces joueurs de rugby qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille au cours de cette grande guerre. Voilà, ce sera un petit peu le trait d'union ce soir entre l'histoire et le sport et les destins liés de nos anciens soldats ce soir au Stade de France. On va revenir maintenant sur cette affiche, Fabien Galthié, qui évidemment nous fait saliver parce qu'on prend les mêmes et on recommence, mais le contexte est peut-être un petit peu différent ce soir. Les joueurs toulonnais se disent plus frais à l'abord de cette finale. On sait que ça leur avait un petit peu posé des soucis l'an dernier face à cette magnifique équipe de Castres qui sort de son vestiaire. Ils ont décidé de ne pas rentrer déjà après la finale. Ils sont restés à Cardiff quelques jours. Ils sont restés à Cardiff pour ne pas revenir se noyer dans la ferveur toulonnaise. Ils sont rentrés directement à Paris ensuite pour rester à dire au vert et pour se préparer tranquillement et conserver un maximum de fraîcheur. Allez, l'ambiance dans les coulisses, dans les couloirs du Stade de France avec les deux équipes. Ce soir dans cette arène dionysienne, Johnny Wilkinson, Sir Johnny Wilkinson, capitaine du rugby club de Toulon, et de l'autre côté Rémi Thalès et les Castrais, deux équipes aux trajectoires bien différentes. Toulon a dominé de la tête et des épaules toute la saison régulière en terminant à la première place, et Castres s'est invité dans cette finale pour venir défendre son bouclier. Castres qui a terminé sixième de la phase régulière. Fabien Galthié, jamais un sixième n'a réussi à aller décrocher le bouclier. Est-ce pour ce soir? Vous savez, en sport, il y a deux choses à éviter. Il faut jamais dire jamais et jamais dire toujours. Donc c'est vrai que jamais un sixième n'a été champion de France, mais tout est possible. Les Castrés vont tout faire pour le démontrer ce soir. Ils ont les moyens, ils ont les vertus, ils ont le talent nécessaire pour mettre en difficulté cette très très belle équipe de Toulon. Et je sais, Fabien, que vous êtes très attaché aussi au contexte émotionnel qui entoure souvent ces grandes soirées. Johnny Wilkinson tire sa révérence. Évidemment, ses partenaires sont très mobilisés autour
autour de lui. C'est un soir particulier pour tous ces joueurs. On va profiter de la présentation des équipes pour nous découvrir la composition du Castres Olympique ce soir, avec une première ligne composée de Forestier, Brice Mac et du pilier droit argentin Herrera. En deuxième ligne, Richie Gray est associé à Capo Ortega. Troisième ligne, face à l'ailé, encadre avec Caballero, le numéro 8, Anthony Klassen. La charnière du Castres Olympique, Rory Cocotte, Rémi Thalès. La paire de centres, il a fait des étincelles contre Montpellier en demi-finale. Rémi Lamera associé à Romain Cabane. Le triangle est derrière Rémi Grosso et Max Evans. C'est l'arrière fantastique de ce 15 castré, Brice Dulin. C'est exactement la même équipe qui avait été alignée contre vous, Fabien Galthié, en demi. Tout à fait. Allez, la composition de Toulon maintenant, avec une première ligne composée de Chiocchi, Burden et Carleman. Un changement dans cette équipe toulonnaise par rapport à la finale européenne. C'est la titularisation d'Ali Williams aux côtés de Bakis Botta en deuxième ligne, sans doute pour essayer de contrer l'excellent alignement castrais en touche. En troisième ligne magique en finale européenne, Juan Smith, le Sud-Africain, Fernandez Lobé, l'Argentin, et l'Anglais Stephen Armitage, élu meilleur joueur de la saison européenne. La charnière, Sébastien Tillousbord et le capitaine Johnny Wilkinson. La paire de centres, Matt Guito associé à Mathieu Bastaro, c'est du grand classique du côté de Toulon. Et puis le triangle derrière Brian Abana, pas très en vue depuis son arrivée sur la rade. Drew Mitchell, lui en revanche, monte en puissance. Et puis Delon Armitage, la valeur sûre de ce 15 toulonnais. Ouais, très très belle équipe, les champions du monde, des Sud-Africains, Anglais, des capitaines de l'équipe nationale comme Fernandez Lobé. C'est bon, c'est très très bon entre les étages, une équipe de star. Brian Abana, meilleur joueur du monde. Johnny Wilkinson est le meilleur joueur du monde. Et qui dit soir de finale dit deux hommes de terrain. Laurent Delay côté castré ce soir et Philippe Lafond du côté de Toulon. Bonsoir messieurs, les dernières infos. Bonsoir messieurs, rassurez-vous, nous on n'est pas descendu en rappel, on est resté bien collé au ras de la pelouse pour observer, moi du côté de Toulon, Laurent du côté de Castres. Une première information déjà, le dernier toast a été remporté pour sa carrière par Johnny Wilkinson. Il a choisi de donner le coup d'envoi de ce match face aux Castrés. Oui, ça sera difficile pour les Castrés, mais les Castrés, on les a vus entre vestiaires, ils étaient liés avec Forestier, avec toute la première ligne, Brice Mac. Et les Castrés, eh bien, ils ont quand même éliminé la meilleure équipe des matchs retour, Montpellier. Ils ont mis fin à la série d'invincibilité de Clermont à domicile. Donc le champion en titre n'est pas mort ce soir encore. Ça c'est certain. Et on a remué un petit peu le couteau dans la plaie avec Fabien Galthié, parce qu'il y a eu une finale de championnat d'Angleterre cet après-midi entre les Saracens et Northampton. Les Saracens au passage ont tout perdu parce qu'ils se sont inclinés cet après-midi 24-20 contre Northampton, et c'est allé jusqu'aux prolongations. Alors Fabien Galthié, vous avez révisé un petit peu le règlement en cas de prolongation ce soir. Et attention, oui, ça peut dépasser le temps réglementaire, on peut partir en prolongation même si c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, et en cas d'égalité aux prolongations, eh bien, on partirait sur des tirs au but 22 mètres face au poteau, d'abord 5 joueurs désignés, puis ensuite si en cas d'égalité on irait à la mort subite joueur par joueur, de quoi se faire quelques émotions supplémentaires s'il n'y en a pas eu encore assez depuis le début de la saison. Saison de top 14 extrêmement difficile, extrêmement serrée, une des plus belles saisons de top 14 de rugby professionnel qu'on a pu connaître cette année, et nous avons ici deux magnifiques prétendants qui représentent absolument parfaitement notre championnat. Et de magnifiques publics ce soir, léger avantage en nombre au Castres, 11 500 supporters, je vous le disais, un quart de la ville a fait le déplacement pour supporter Brice Mac et ses partenaires. Johnny Wilkinson va donner le coup d'envoi du dernier match de sa vie. Immense joueur, un match sous les ordres de Christophe Berdos. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure, assisté ce soir de messieurs Poit et Mineri, l'arbitre vidéo, et monsieur Laurent Valin. Tout est réuni, les conditions sont idéales. Grand ciel bleu, température estivale ce soir pour ce rugby club toulonnais Castres. C'est parti, coup d'envoi donné par Johnny Wilkinson. À la réception, Brice Dulin dégage le camp castré. On a choisi d'occuper, en prenant le coup d'envoi du côté toulonnais, tombé sur Brice Dulin qui a fait un petit pied gauche, habitué à avoir un pied gauche beaucoup plus long, peut-être beaucoup de pression à ce début de match. Et puis là on arrive sur, pour moi, une des clés du match, la capacité de Toulon à avoir ses possessions face au superbe contre castré, un alignement qui fait des ravages
dans le championnat, une touche réduite, on met toujours du côté Castres. Castres, les deux meilleurs sauteurs en position 3-4 pour venir contrer l'alignement toulonnais. Premier lancé pour Garden, dévié par Fernandez Lobé en fond d'alignement. Et on va tout de suite solliciter le point d'ancrage, Mathieu Bastaro, qui est bien stoppé par Émile Lamora. Les Toulonnais en possession de ce ballon. Percussion d'Ali Williams. Libération Tius Bordeaux, prêt avec Stéphane Armitage. Le retour intérieur pour son frère, Delon. Bonne défense Castres pour l'instant. Sébastien Tius Bordeaux qui va essayer de jouer un côté fermé avec le relais maintenant de Chioki. À la bord des 22 mètres. Les Toulonnais en possession de ce ballon. Juan Smith qui rafute Anthony Klassen entre Sud-Africains, on sait se parler. Chioki. Bonne défense de Forestier et de Brismac. Wilkinson va tenter de passer les bras, il conserve ce ballon. Les Toulonnais qui confisquent la possession dans ses premières minutes avec Ali Williams une nouvelle fois à la percussion face à Caballero. Kingsborn un peu chahuté sur cette libération. Ils sont venus mettre beaucoup de pression sur Johnny Wilkinson et Brian Abana va concéder une touche directe. Bonne défense, très hermétique, notamment sur la première passe des Castres qui se sont concentrés essentiellement sur les fermetures première passe et deuxième passe. Et réussi à inhiber la puissance des Toulonnais. Maintenant, c'est aux Castres de reprendre la main sur cette touche. Beaucoup de confiance les Castres ont dans leur touche. Beaucoup de maîtrise depuis 5 ans, depuis le passage, il faut signaler, de Laurent Travers qui a fait un superbe boulot. Oui, c'est sans doute le meilleur alignement du championnat, cette touche Castres déviée par Capo Ortega face à Lélé, servi par Rory Cocotte à la percussion pour la première possession Castres dans cette finale. Cocotte bon, qui était chassé pour Thales qui est sous la pression de Kingsborg et Fernandez Lobé dans les 22 mètres de Castres. Première pénalité. Ça sentait bien les Castres parce qu'ils ont été chassés. Cocotte, à peine a-t-il pris le ballon qu'il avait déjà les défenseurs des deux côtés du ruck qui l'avaient fermé. Il s'est débarrassé du ballon sur Thales qui lui aussi était chassé. Belle défense et vite organisée des Toulonnais. On sent que ça va fermer autour de Cocotte. On ne va pas lui laisser la place de s'exprimer comme il avait fait l'an dernier. Rémi Thales va trouver une touche dans le camp de Toulon. Pour l'instant, dans les confrontations directes cette saison, un partout entre les deux équipes. Ça a toujours été très serré. Victoire 22-15 de Castres lors de la sixième journée à domicile. Défaite ensuite à Mayol 19-13. Cette équipe de Castres, elle sait s'adapter à l'adversaire. Elle est difficile à manœuvrer. Ouais, c'est une équipe caméléon qui s'adapte, qui accélère le jeu de temps en temps, qui est capable ensuite de récupérer derrière. Alignement coupé en 2, 3, 4. Cette fois-ci, c'est Richie Gray d'une facilité. En début d'alignement, le premier ballon porté. Ah, passage à vide. Un joueur est venu faire ce qu'on appelle un double vitrage sur le saut de Richie Gray. On le verra. Interdit, bien sûr. Illicite. Le joueur soutien arrière doit rester à sa place. Là, il est venu couper les soutiens, notamment les défenseurs toulonnais. Ce sont des petites fautes qui, pour le moment, n'ont pas d'incidence, mais les mêmes erreurs. Un quart d'heure de la fin, ça peut peser lourd. Johnny Wilkinson pour dégager le camp du rugby club toulonnais et trouver une touche à nouveau dans le camp Castres. Et on revoit ici la prise de balle de Richie Gray en début d'alignement. Et derrière, l'écran de Yannick Forestier qui empêche Ali Williams de venir défendre. Interdit de passer dans le dos du preneur de balle. On réduit l'alignement du côté toulonnais. On a mis un alignement à 5 joueurs plus un relayeur qui est en avant pour essayer de se donner un peu plus d'espace dans ces 10 mètres. Et c'est Ali Williams encore qui est sollicité. Ouh, c'est bien fait. Limité pour Mitchell. En percussion. Le mol et derrière, on est parti très vite jouer sur la zone. Toujours la première passe. Klassen et Richie Gray en défense face à l'armada toulonnaise qui se lance à l'assaut des 22 mètres de Castres. Carleman. Défense agressive des Castres. Yannick Forestier a mis au sol Carleman. Sébastien Tiusbord tout de suite sous pression sur ses libérations. Le relais maintenant des avants avec Armitage. Ils ont la possession quand même les Toulonnais. Tiusbord dans le fermé avec Matt Guiteau. Lui peut faire basculer un match à n'importe quel moment. On l'a vu en finale européenne. C'est le fameux facteur X que vous appelez. Vous aimez à
c'est le joueur qui fait basculer souvent les situations positives des Toulonnais. Il est capable de changer de rythme avec ses mains mais aussi avec ses pieds. Grosse séquence là de Toulon avec Stéphane Armitage qui met à disposition ce ballon. Thius Bord libère pour Chioki, pris aux jambes par Capo Ortega. Thius Bord qui libère pour Johnny Wilkinson dans le dos de Basta. Oh, il a servi Matito. Là, il y a un 2 contre 2 avec Armitage. Ils ont bien glissé en défense, les Castrés. Stoppé à 5 mètres de la ligne pour l'instant, cette action toulonnaise. Ah, il y avait de l'espace dans ce qu'on appelle la zone arbitre. Castrés qui ont du mal à refermer. Au début de match du RCT avec maintenant la charge de Juan Smith, auteur d'un essai en Coupe d'Europe, lui aussi Sébastien Thius Bord. Pénalité. Et la pénalité, pénalité contre Caballero. Accident un petit jeu de Caballero. Il n'a pas vu l'arbitre. Monsieur Berdos avait le dos tourné, il était parti. Il avait tourné la tête, il pensait que le ballon allait quitter les mains de Thius Bord. Il n'a pas vu l'acte d'un petit jeu de Caballero. Heureusement, parce que c'est limite sanctionnable par un carton jaune. Un joueur castré reste seul, alors qu'évidemment on a vu Pierre Camus, le président de la Fédération Française de Rugby, aux côtés de François Hollande, le président de la République, présent ce soir à Saint-Denis. De la casse dans les rangs castrés. Oui, et puis Ali Williams aussi qui se plaignait, qui était resté un peu au sol dans le choc. Rémi Lamera, auteur d'une saison tonitruante, qui lui a valu la convocation avec l'équipe de France. Hein. Il fera partie de ses 7 joueurs à rejoindre les Bleus en Australie. Il a été notamment éblouissant en demi-finale. Et là, il a fallu qu'il s'emploie pour arrêter cette action dangereuse des Toulonnais qui ont bien manœuvré sur la largeur. Et après plusieurs séquences, on va voir l'acte d'un petit jeu de Caballero qui vient se jeter à travers le rec interdit. Oui, on parlait de Lamora qui est formé à Toulouse, qui a quitté Castres il y a maintenant 4 saisons. Les 2 premières saisons, saison blanche, il s'est rompu un croisé antérieur, un genou. Puis la saison suivante, à l'autre genou. Il a commencé à revenir l'an dernier, mais cette année, c'est vraiment la révélation, l'explosion d'un joueur qui est pétri de talent. Il espère avoir le dernier mot ce soir, mais il est en position d'inscrire les premiers points. Sir Johnny Wilkinson, l'ange blond au pied d'or, pour donner un court avantage aux Toulonnais après 8 minutes de jeu dans cette finale. Dans les 22 mètres, c'est une formalité pour Johnny Wilkinson. Toulon ouvre le score ici au Stade de France, 3-0. Ça récompense 10 minutes de domination totale des Toulonnais. 2 balles prises en touche et derrière un enchaînement qui a mis en difficulté la défense castraise. Les Toulonnais qui pour le moment ont les ballons et notamment en touche, ce qui leur permet de s'exprimer. Renvoi effectué. Attention. Par Thalès et Stéphane Armitage à la réception gagne des mètres précieux pour assurer cette libération. Thius Bord. On est sorti des 22 mètres, on ne pourra pas taper directement en touche et c'est même Burden qui a relevé ce ballon pour travailler dans l'axe. Thius Bord est bien tapée. Elle est bien tapée. Et dans les airs, Abana s'est imposé et a récupéré ce ballon. Il confisque toutes les balles pour l'instant les Toulonnais et Castres est à nouveau pénalisé. Anthony Classen probablement sur cette action au sol. Pied droit cette fois-ci de Johnny Wilkinson pour amener le jeu dans le camp de Castres. On revoit cette attitude en l'air de Brian Abana et derrière Anthony Classen qui ne fait pas l'effort pour se sortir de cette fameuse zone. Plaqueur plaqué et Toulon est de retour dans le camp de Castres avec une nouvelle munition en touche. Et c'est pourtant le point fort d'Anthony Classen, le jeu en l'air. Il a été battu par Brian Abana qui, c'est vrai, jusqu'à présent s'est montré timoré mais qui est capable, tel les grands joueurs et les meilleurs joueurs du monde, de sortir le gros match aujourd'hui, le jour J. Et troisième touche gagnée par les Toulonnais. Attention. Troisième touche gagnée par Williams. Et c'est pas par hasard qu'on a titularisé Williams aujourd'hui à la place de Suta. De Rosso. Ou Rosso. Des deux. Attention, attention, on va être sifflé côté castré. Thius Bord. Avec Smith et Mann maintenant face à Anthony Classen. Libération propre pour Johnny Wilkinson qui a servi dans le dos Brian Abana. Limite obstruction de Lastaro, mais ça joue un jeu dans le dos. Wilkinson à nouveau avec Chioki très mobile hein, dans ce début de match.
de passer au contact à Smith. Le renversement de Johnny Wilkinson peut-être. Kinavi qui retrouve Matt Guiteau. Il y a un petit peu d'incompréhension sur ce lancement de jeu toulonnais. Les Toulonnais qui ont reculé jusqu'à revenir sur la ligne médiane. Du coup, c'est du jeu au pied, jeu d'occupation de Sébastien Thiouzbord. Vulant pour Kassen. Hop, Elie contre seconde ligne. Ouais, Max Evans qui prend le trou, Max Evans, et qui déchire le rideau. Il n'a pas de soutien, il préfère prolonger les pieds. Il y a un Henri Coquette face à Armitage. L'arrière qui casse le rideau. L'essai de Max Evans après 10 minutes de jeu sur un contre incroyable. Alors que ça se chamaille au sol entre Coquette et Armitage. Et place de soute à Castres. Le public castré qui exulte évidemment. Beaucoup de confusion dans la zone de but. Je pense qu'il y a essayé parfois d'attention parce que derrière il peut y avoir plus grave concernant les actes interdits. On n'a pas vu ce qui s'était passé puisqu'on est resté sur l'action. Superbe, superbe relance. C'est un ballon rendu par Thiouzbord. Et derrière une relance initiée par Dulin. Max Evans qui a fait un festival dans la défense. Bon, M. Bardos ne va pas s'embêter, je pense qu'il va faire appel à la vidéo, sans aucun doute. Voilà, d'abord valider l'essai. Est-ce qu'il y a des fautes sur l'action? Je ne crois pas. Alors la question est importante. La deuxième, tu regarderas. C'est juste en suivant, il n'y a pas de jeu déloyal entre le 15 rouge et le 9 blanc. Alors on va vérifier d'abord si l'essai est valable. Max Evans qui était 24e homme lors de la finale l'an dernier. Et qui est titulaire ce soir et qui a peut-être inscrit le premier essai de cette finale. On va revoir cette lutte dans les airs. Est-ce que Rory Cocotte touche ce ballon et commet un en avant? C'est peut-être la seule incertitude parce que derrière Max Evans va contrôler cette balle et aplatir. Ça c'est une chose. Évidemment le public castré semble confiant. Touche pas le ballon, je crois. Je pense qu'il touche pas le ballon. Derrière Max Evans aplati sans problème. Voilà pour l'action de l'essai. Non, peut-être sous cet angle là est-ce qu'il va toucher le ballon? Voilà, super loupe. Rory Cocotte semble pas toucher cette balle. Par contre, qu'est-ce qui se passe derrière? Max Evans marque et après qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que la caméra reste sur? Non, la caméra est partie. Donc d'abord, oui, non. Pas de raison. Ouais, l'essai okay. Va être validé. Oui, l'essai va être validé. Maintenant, on va voir pour le jeu déloyal derrière. Voilà, entre, là. Regardez bien, suivez bien Rory Cocotte et Armitage. Alors, il y a eu un mauvais geste, ça c'est certain. On va retrouver les plans maintenant. Max Evans, il se le fait laisser quand même. Ah il oui. Prend le ballon à hauteur des 22 mètres. Il fait 80 mètres avec un petit jeu au pied pour lui-même. Pour l'instant, c'est le seul angle qui permet de voir ce qui se passe entre Rory Cocotte et Dallon Armitage. Cocotte qui d'abord appuie avec ses genoux sur la cage thoracique de Armitage, qui réplique derrière peut-être par un coup de poing au visage. Que va dire Monsieur Berdos? Cocotte, il taquine un petit peu Armitage quand même. Il le branche. Le taquine à la rotule, quoi. Il le branche et puis derrière, bon, Armitage, il... Je ne vais pas laisser, d'accord. Ok, on appellera les deux joueurs après, d'accord. Alors, c'est un reprise du temps. Et c'est accordé à Max Evans pour le Castres Olympique qui prend les commandes pour la première fois dans cette finale. 5-3 en attendant la transformation de Rory Cocotte. Et puis derrière, évidemment, Monsieur Berdos qui va convoquer les deux joueurs. 7 pour Castres, 3 pour Toulon. Nouvel arrêt du temps. Et on va écouter ce que dit Monsieur Berdos. Non, je ne savais pas. Calmez-vous, d'accord. Allez, ok. Voilà. La petite poignée de main entre les deux hommes. Et les premiers. Ah, ils sont là. Alors qu'ils étaient privés de ballon depuis le début du match à marquer un essai, ce sont les Castrais. On vous parlait de cette capacité d'adaptation formidable de cette équipe. Laurent Belay avec oui. Serge Mias. Oui, Serge, un seul ballon, mais un essai. Ben voilà, tout est résumé, il nous faut
faut qu'on ait un peu plus ce ballon. Si on a un peu plus ce ballon, je pense qu'on peut peut-être les mettre en difficulté. Vous le connaissez bien, hein, Serge Mias, Fabien. Ils ont bien préparé leur coup. Il a commencé sa carrière d'entraîneur avec nous à Colomiers, alors qu'il avait arrêté sa carrière de joueur. On est allé le chercher pour venir nous aider. Et la première année, figurez-vous que Colomiers est allé en finale. L'entraîneur, c'était Serge Mias. Après, il est parti après trois saisons à La Rochelle. Et il a gagné une finale d'accession déjà avec Darry Carrère. Il a passé sept saisons à La Rochelle. Ensuite, il est passé par Biarritz, où il a fait deux saisons. Et cette année, il réussit malheureusement à Castres. Et superbe joueur de rugby, demi du mêlée, qui a joué à Auch et à Colomiers. Gros combattant, gros guerrier. Et Brice Dulin ne trouvera pas la touche. C'est rare, hein, c'est rare de la part de ce joueur de imprécis. Et Delon Armitage a demandé si ce ballon avait été ramené dans les 22 mètres au juge de touche qui l'a autorisé à taper directement. On revoit ici le travail fantastique de Max Evans. Ah ouais, là, il se le pèle. Il va faire 80 mètres, un petit jeu au pied par-dessus. Là, Cocotte va être présent pour mettre la pression sur Armitage. Et derrière, il finit le boulot. Et ça aussi, c'est rarissime de voir Armitage en difficulté comme ça, sur son rempli terrible, défensif. Terrible, parce que le rebond, il se méfie. Le ballon va-t-il rebondir dans le sens de la course? Va-t-il le prendre à contre-pied comme ça s'est passé? Difficile, hein, c'est un peu le gardien de but qui doit faire le bon choix, l'arrêt réflexe. Et les déblayages sont bons sur cette touche un petit peu mal maîtrisée par les Castrais. Rory Cocotte occupe avec son pied gauche. Dans les 22 mètres, Abana marque arrêt de volée accordé à l'ailier Springbok. Qui va trouver une touche toujours dans le camp de Toulon. Brian Abana qui est peut-être le joueur un petit peu en dessous de ses partenaires depuis qu'il est arrivé sur la rade. Alors c'est vrai, il a été blessé de longs moments, hein, après une blessure en Coupe d'Europe face à Exeter, mais il n'est pas décisif pour l'instant. Alors qu'on voit Bakis Botta dans ses œuvres en début de match, mais c'est vrai que c'est un joueur qui vient d'enchaîner deux saisons, hein, puisqu'il est arrivé après le Super Rugby, la tournée du mois de novembre, il s'est déchiré de manière importante au début de l'hiver, et puis il revient doucement, il faut du temps, le langage d'abord, les réflexes. Et les Castrés qui n'ont pas des ballons assez propres, donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent pas de risques, ils rendent les ballons au pied haut pour organiser derrière un rideau défensif. Non, occuper. Et Armitage répond à Thalès avec ce très long jeu au pied dans les bras de Brice Dulin qui adore. Attention, quand même. Ça, remonter les ballons comme ça. Il est très bon en l'air aussi, attention. Chandelle, duel en l'air avec Johnny Wilkinson. On avance dans les airs du blanc. Avantage pour l'instant laissé au Toulonnais, Ali Williams. Stéphane Armitage, cadrage, débordement sur Max Evans. Hughesboard. Voilà. Prend son temps. Trop long. Jeu au pied et haut, trop long, qui ne mettra pas sous pression au fond du terrain. Attention à la relance, il y a du monde à gauche. Heureusement, Cocotte n'a pas vu quand c'était replacé. Il a croisé son jeu au pied. Sébastien Hughesboard est entré dans ses 22 mètres pour finalement occuper à son tour au pied. Il l'a très bien fait en finale de Coupe d'Europe. Pour l'instant, personne ne trouve la touche. Willem pour lui-même. Là, il va le. Rebelote face à Johnny Wilkinson qui contrôle cette balle. Hernandez Lobé pour Carleman. Matt Guito avec Armitage à nouveau. Joue au pied croisé, mais ils sont bien placés, les Castrais et Max Evans. À la relance. Oh, il est en feu ce soir, Max Evans. Il est bien. Attention, il y a du monde sur le placement cassé. Thalès, l'occupation, c'est direct. C'est pas très bien joué parce qu'il avait du monde, Rémi Thalès. Il avait sa paire de centre, il avait son ailier à sa gauche. Et il n'avait pas pris l'information avant de recevoir ce ballon. Il n'avait pas lu avant la situation. Ça va permettre en tout cas aux Toulonnais de revenir dans cette partie parce que cet essai les a calmés, les a un petit peu assommés. Vous avez pris le match en main et puis ce contre castré. Allez, vous pouvez désigner le talent d'or Société Générale en votant sur notre site francetvsport.fr et l'appli mobile France TV Sport. Vous gagnez vos places pour le match France-Australie qui aura lieu le samedi 15 novembre ici même au Stade de France. Vous pouvez voter tout au long du match. Elle est pas droite. Ça y est. Attention. On est passé d'une touche à 5 à une touche à 6. Et ce bloc de saut 3-4 castré met en difficulté et met beaucoup de pression sur le lanceur toulonnais. Et c'est la première touche perdue. Ça peut avoir des répercussions sur
le mental des Toulonnais qui est très très fort. Mais attention, les Castrés, c'est souvent là qu'ils construisent leur victoire, leur arme fatale. Flexion. Première mêlée du match, très bien. Hein. C'est vrai. Après 16 minutes de jeu, va-t-on la jouer ? Voilà. Oui. Avec Klassen pour Grosso qui était venu là se lancer. Il est tombé sur Bastaro, mais ce ballon vit toujours dans les mains Castres avec Thales qui peut décaler Caballero. Mais monsieur Berdos, il n'y a pas d'avant. A vu un avant. Un en avant de passe. On va le revoir peut-être, mais je ne suis pas certain. Arrête de jeu. Bien joué. Ça, j'en veux plus. Hein. J'entends bien. On est d'accord. Merci. Mouvement organisé par les Castrés. C'était une inversion qui était préparée. On envoie l'ailier côté fermé pour essayer de faire circuler la défense dans le sens du jeu. Puis derrière, on la prend contre-pied. Introduction légèrement dans le camp des Castrés. Légèrement, on dira. Oui. Pour pas dire plus. Ça sanctionne par un bras cassé. Ça évite au talonneur de lever le pied, donc quand on ne lève pas le pied, on se solidarise pas de ses piliers. Regardez Herrera à droite, le tout fer médical arrivé d'Argentine qui... révélation. Troisième match avec Castres et il est en finale de championnat. Oh, et ce ballon qui gicle dans les mains de Caballero derrière Grosso qui prolonge au pied, qui va mettre la pression maintenant sur Drew Mitchell qui revient toutes enjambées sous la pression, sauver ce ballon dans les 22 mètres de Toulon. Et la relance maintenant de l'Australien. Oh, magnifique attitude de Drew Mitchell. C'est fort ce qu'il a fait. C'est fort ce qu'il a fait parce qu'il était sous pression. Et là, il libère sa ligne de trois quarts. Avec Guito qui peut servir Mathieu Bastaro en bout de ligne. Bastaro qui renverse Cabane, qui passe après contact. Et Guito qui commande en avant. En avant Toulonnais sur une relance de près de 50 mètres initiée par Drew Mitchell. Oui. La communication, les gars, elle n'est pas claire. Guito qui est habitué à cette capacité avec sa vitesse et sa vélocité. Se glisser dans les intervalles, alors qu'on va voir le numéro de funambule de Drew Mitchell qui est pressé, qui va pouvoir se débarrasser de d'abord Grosso et ensuite la troisième ligne et donc passer devant tous ses soutiens pour relancer le jeu. Et vous parliez tout à l'heure, ça vient du temps d'adaptation qu'il faut souvent aux étrangers pour s'acclimater au top 14. Lui, ça a été vitesse grand V, hein. Il a eu 2-3 matchs pour se lancer, mais depuis il est excellent avec le RCT. Et Bernard Laporte ne le sort pas. N'oublions pas qu'il y a Smith qui était le titulaire indiscutable néo-zélandais. Il a perdu du poids quand il est arrivé, quand il était un peu en surcharge pondérale. Il s'est rapidement affiné comme le fromage et là il est en canne. Martin Castro Giovanni aux côtés de Jean-Charles Orioli. Ça c'est le bord de touche de Toulon. Et on va revenir à cette mêlée à l'avantage de Rory Cocotte. 19 minutes de jeu dans cette finale. Et Castres mène 7-3 après cet essai de Max Evans. J'ai trouvé que sur la première mêlée, la mêlée Castres avait été chahutée. Ils s'en sortent bien, je trouve, sur la situation. Et j'ai trouvé que l'axe droit, notamment d'Herrera, était légèrement chahuté. C'est un petit peu son point faible. On ira pour loin pour ce joueur qui est super actif, qui fait un boulot de folie. Mais la mêlée, pour le moment, il n'a pas encore acquis la maturité du top 14. Et là, je pense que les Toulonnais, sur l'axe gauche, vont mettre la pression. Déjà d'un côté, c'est pas stable. Ouais. Je peux vous dire que cet essai Castres a en plus éteint toutes les... On va se décaler, les appuis. Les voix toulonnaises qui avaient prévu d'entonner un God Save the Queen en l'honneur de Johnny Wilkinson. Oui, mais la dixième, je ne sais pas si c'est pas l'essai Castres, je crois. Hein. Comme quoi, hein, on a beau tout prévoir, l'émotion souvent. Et Louis-Frédéric Michalak qui a tout connu dans sa carrière et qui n'est pas invité, comme on dit, depuis le début de ses phases finales avec le rugby club toulonnais. La concurrence fait rage. Même si Bernard Laporte a salué son état d'esprit, ça doit être difficile à vivre depuis la tribune. Ce sont des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France à Mermoz et qui ne sont pas sur la feuille de match ou remplaçant. Oh, Rémi Thalès qui commet un en avant. Ce sera une nouvelle mêlée à l'avantage cette fois-ci de Toulon. Rémi Thalès qui pour le moment touche direct, petite en avant sur la première passe. Il a du mal à se libérer. Beaucoup de pression de Tilus Board sur. Il met beaucoup de pression sur le numéro 8. Klassen qui s'en sort toujours très bien. Beaucoup de technique. Messieurs, Philippe, un petit mot avec Jacques Delmas. Comment vous trouvez vos joueurs depuis le début de ce match et ce drôle d'essai?
Oui, ben, on savait à quoi s'attendre et on est tout à fait dans ce qu'on attendait. Une équipe qui défend très bien, qui est en place et qui attend de récupérer les ballons de turnover. Je crois qu'on a les clés, on l'a montré. Il faut qu'on continue à faire jouer nos gros devant avant de préparer le jeu. Mais je crois qu'il ne faut pas rendre le ballon considérément au pied. Il faut être patient. Les trois ballons que l'on a rendus au pied, on s'est mis le danger. Il faut qu'on ait un jeu au pied plus précis, un jeu au pied de pression beaucoup plus efficace. Merci. Et Jacques. Moment important, Laurent Belet. Saignement. Allez, changement avec Rémi Thalès. Est-ce que c'est sur saignement? Oui, a priori c'est sur saignement. Donc il a 5 minutes pour aller se faire recoudre. C'est Kirkpatrick qui rentre au même poste pour ce joueur. Au regard de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Sports, elle aussi présente ce soir au Stade de France. Entrée de Daniel Kirkpatrick, néo-zélandais. Ouais. Très bon joueur qui va remplacer Rémi Thalès temporairement donc sur cette sortie sur saignement. On va revenir à cette mêlée. Introduction Sébastien Thiousbord légèrement dans le camp de Castres. Si vous nous rejoignez, 20 minutes de jeu ici. Castres, le champion en titre, mène 7-3 après un essai de Max Evans. Elle est bonne à jouer cette mêlée. Vous avez deux côtés pour lancer le jeu. Avec un mêlée qui peut faire la bascule à gauche ou à droite. La défense va être obligée de reculer. D'abord, on insiste sur une double flexion. On va essayer de récupérer la pénalité. La mêlée casse est dominée. Voilà, la pénalité est récupérée. Maintenant, il faut sûrement essayer de le jouer. Grosse mêlée de Toulon avec Stéphane Armitage qui joue l'avantage pour l'instant. Avec Sébastien Thiousbord, il ne pourra pas claquer un drop d'ici. Là, cette fois-ci, Johnny Wilkinson, c'est souvent dans ses habitudes. Hein. Donc là, ils ont pris une sacrée raclée, les casserés sur la mêlée. Ah, c'est le talon d'Achille peut-être de cette équipe, la mêlée. Ok, merci. D'ailleurs, Fabien, hier, la première annonce d'équipe faite par le staff de Castres annonçait Tomé Oppo à la place de Yannick Forestier, qui finalement a été remis dans le 15 titulaire pour avoir exactement la même équipe qu'en demi-finale. Ce qui explique peut-être qu'il y a eu quelques discussions sur le poste. Ouais, j'imagine qu'il préfère terminer le match avec Tomé Oppo, qui avait fait une forte impression contre nous, hein, qui avait permis de stabiliser la mêlée. J'en ai parlé avec Mathias Roland en début de rencontre. En fait, c'est une erreur hein, des sites, parce que pour eux, c'était clair, ils voulaient la même équipe qu'en demi-finale contre Montpellier. Pour Rémi Thalès, c'est un protocole commotion hein, avant qu'il ne revienne. Très bien. Deuxième tentative de but pour Johnny Wilkinson. Face au poteau de Castres, environ 40 mètres des poteaux. Il est partout ce soir. ...244 points cette saison avec le RCT pour Johnny Wilkinson, qui peut ramener Toulon à un point, et il le fait. Sir Johnny Wilkinson rapproche sous les yeux de Manuel Vass le rugby club toulonnais. 6, Castres 7. En finale, il est d'une redoutable précision, que ce soit sur les pénalités, que ce soit dans son jeu de drop goal ou que ce soit dans son jeu de pied d'occupation. C'est un joueur qui, sur les grandes occasions, passe, j'ai envie de dire, jamais à côté, même si c'est pas bien de le dire, mais c'est son cas. C'est pas loin de la vérité. Avec Matt Guiteau qui va trouver une touche, toujours dans le camp de Toulon, sur la ligne des 10 mètres. Et là, c'est une bonne munition pour cette équipe castraise, avec Brice Mack qui fait une fin de saison aussi assez impressionnante avec Castres. On se souvient tous de cette dernière mêlée en demi-finale à Lille, où il avait jeté son pied pour contrer les Montpelliérains. Brice Mack déterminant. Il avait fait le geste qui tue, hein. Geste de grand joueur au grand moment, qui a sauvé son équipe. À l'aveugle, il a envoyé son pied pour récupérer le ballon. Pour Rémi Thalès, c'est bon, il est de retour. Après la touche, a priori, il va reprendre sa place sur le terrain. Bonne nouvelle pour le Castres Olympique, Rémi Thalès, élément déterminant de cette formation qui avait claqué deux drops ici même l'an passé en finale, à la manière d'un Johnny Wilkinson, pour offrir ce bouclier Brennus à Castres 20 ans après. Et qui va donc être de retour sur le terrain. Romain Poitta, là. Signale la touche, vous voyez. Oh, d'ailleurs, il s'est su un peu sur son short. Il n'est pas content, il n'apprécie pas.
c'est Rubel Shaw. Alors l'option en touche, Caballero sans doute. Voilà, en début d'alignement, la déviation, cocotte, passe un petit peu approximative, mais ça profite finalement à Kirkpatrick pour l'un de ses derniers ballons à négocier avant le retour de Rémy Thalès. Brice Mack, on le retrouve à la percussion, plaqué par Smith. Et tout de suite le contest de Matt Guito et les Toulonnais qui vont peut-être arracher cette balle. Voilà, c'est fait. Bonne séquence défensive du RCT avec Cocotte cette fois-ci. Là aussi, on a une spécialité maison. Hein. C'est rare, Guito, c'est plutôt Bastaro qui fait ce travail. Oh là 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 là, il a pris le trou, Berden. Mais à la course, il est un petit peu seul, il manque de soutien, mais il a des cannes fantastiques avec Grosso qui revient pour le plaquer. Si elle sort vite. Oui, c'est Botta en position de mille-mêlée pour Wilkinson qui a sauté sur Guito. Retour intérieur avec Mathieu Bastaro qui rentre dans les 22 mètres. Il faut qu'il garde la dynamique des Toulonnais s'ils veulent profiter de cet exploit de Burden. Williams, bien aidé par Bakis Botta. Sébastien Tillousbord, la libération est bonne. Elle est rapide pour Fernandez Lobé qui a tenté de fixer deux joueurs. Il a finalement conservé cette balle. On est toujours dans les 22 mètres de Castres. Et un ballon gratté et M. Berdos a joué. Rory Cocotte a tapé droit devant. Une nouvelle fois, c'est Drew Mitchell le premier à revenir dans les 22 mètres de Toulon. Et ce rebond qui le trompe et qui peut profiter peut-être. Oui, le banc castré qui réclame un plaquage sans ballon sur Grosso. Et c'est sauf qui peut là dans le camp toulonnais avec ses toutes petites touches trouvées juste en dehors des 22. En tout cas, c'est pas pour nous déplaire ce qui se passe. 3 actions de grande envergure. D'abord, c'est Burden qui va traverser le môle. C'est illicite ce qu'il vient de faire. Hein. Je vous le dis, l'arbitre a laissé faire. Pour ramasser le ballon, il faut être dernier. Il était premier. Il n'avait pas le droit de ramasser le ballon. Le dernier du ruck. Donc, ce qu'a fait Burden, c'est illicite, mais c'est bien fait. Et derrière, le contre immédiat des Castrés sur le turnover. Et quelle efficacité des Castrés sur ces fameux turnovers, ballon de récupération. Ils apportent tout de suite le danger avec du jeu au pied dans le dos de la défense. L'essai de Max Evans en est la parfaite illustration. Et ils ont encore ramené le danger dans le camp de Toulon sur ce contre. Rémy Thalès est de retour. On n'était pas loin du deuxième essai en contre parce que s'il ne se déséquilibre pas, Grosso, il avait eu le rebond favorable. Ça compte, le rebond favorable en finale. Ah oui. Regardez ça, ce rebond favorable. Il a perdu. Bon, c'est-à-dire qu'il est plaqué sans ballon. Et oui, c'est sûr que cette image qui est diffusée sur les écrans géants du Stade de France provoque le mécontentement du public castrais parce que peut-être qu'effectivement il y a un plaquage sans ballon sur Grosso. Alors évidemment, ce sont des images ralenties, hein, donc dans le feu de l'action, c'est pas aussi évident que ça. À vous de vous faire une idée sur cette image-là. Il y a un contact entre Armitage et Grosso, mais il est bien placé, hein, monsieur Gardos. Il est à 5-6 mètres de l'action. Il a jugé dans l'instant que le ballon... Et mécontentement du banc. Hein, oui, on a entendu. Ouais, c'était assez chaud. Simplement pour vous dire que Rémy Thalès est revenu sur le terrain. Chassis. Ballon contré en touche par Fernandez Lobé. Mais Sébastien Tillousbord est dans de Saldra, là, tout de suite sous pression. Ouais, castré. Et ça, c'est bien pour les Toulonnais parce que piquer des ballons en touche à casse, c'est désarmé leur adversaire de manière efficace. Guito servi par Wilkinson et Toulon a du mal à sortir de ses 22 mètres en ce moment. Matt Guito évidemment décisif en finale de Coupe d'Europe. Il a d'ailleurs marqué les deux seuls essais. Allez. Non, il y a eu celui de Smith évidemment, oui. Mais il avait marqué le seul essai en demi contre le Racing. Il avait ouvert le bal à Cardiff pour le sacre européen de Toulon. Quel talent. Quel talent. Touche complète avec un demi-mêlé qui est premier dans l'alignement. Caballero qui sera relayeur derrière. Davy Cocotte a servi Klassen sur Wilkinson qui lutte là pour essayer de faire chuter le solide troisième ligne de Castres. Richie Gray maintenant face à Matt Guito. Plaquage un petit peu haut là de Juan Smith. Ça commence à faire beaucoup. On entend encore le banc castrais crier au scandale. Les Castrais vont finalement l'obtenir, cette pénalité. C'est vrai que Smith avait plaqué un petit peu haut là sur cette action. Ouais, ils rivalisent les Castrés sur physiquement avec notamment Richie Gray qui en impose. Qui arrive à dominer ses contacts. Juan Smith qui plaque un peu haut. Ouais, c'est limite. Derrière le contest, Fernandez Lobé qui est bien fait. Ouais, et la faute qui sera sifflée. Est-ce que c'est Juan
Fernandez Lobé qui est passé par-dessus, je ne sais pas, mais les Castres qui rivalisent dans le défi physique pour le moment. À l'image de Richie Gray quand même, qui n'est pas un joueur inconnu au niveau international. Ah, évidemment, l'un des grands marathoniens du rugby international, Richie Gray, avec ses grands compas, sous le regard de Romain Telet, qui lui aussi, avant de rejoindre le staff de l'équipe de France, puisque sera conseillé auprès des buteurs, suit avec attention cette finale de championnat. Rory Cocotte pour redonner 4 points d'avance à Castres après 28 minutes de jeu ici au Stade de France. Face à son public, les 11 000 spectateurs de Castres quasiment tous dans le même coin du Stade de France ce soir. Castres 10, Toulon 6, à nouveau 4 points d'avance pour les champions de France en titre, qui pour l'instant rivalisent largement avec cette équipe de Toulon dans le défi physique, même si Greg Burden avait allumé une belle mèche. Les contre-castrés font mal aux Toulonnais. Ce qu'a fait Burden, quand même, c'est assez impressionnant, parce que battre Dylan sur un contre un, qui est notre meilleur défenseur sur la en position d'arrière, c'est quand même quelque chose. Il a des appuis, le joueur. Hein. Un nouvel en avant commis par les Toulonnais. Avantage qui peut peut-être profiter à Castres avec Brice Mack. Et depuis 5-6 minutes, les Castrais, en plus, reprennent la possession. Cocotte libère pour Thalès. Dans le dos de Gray. A servi Cabane qui voulait revenir à l'intérieur avec Rémi Lamora. C'était bien fait. La balle, la transmission était un peu forte, mais ce que fait Romain Cabane, en cherchant du soutien d'abord à son extérieur puis à son intérieur, c'était bien fait. Regardez ça, feinte, il sent que son partenaire du centre croise. Et là, dommage que Lamora n'ait pas eu le réflexe pour s'approprier le ballon. Jette un coup d'œil pendant ce temps-là, Fabien, aux statistiques, hein, qui sont tout à l'avantage de Toulon dans la possession, 67% de possession, et dans l'occupation du terrain, 69%. Mais on le sait, dominer n'est pas gagné, forcément. Il y a un changement du côté de Toulon avec l'entrée de Jean-Charles Orioli à la place de Craig Burden. Alors Craig Burden, il faut le rappeler, hein, il avait été victime d'une béquille en finale de Coupe d'Europe. On l'avait d'ailleurs sorti au bout de 50 minutes. Il est peut-être encore un petit peu touché. On voit d'ailleurs ce gros bandage à la cuisse droite. Philippe, évidemment, va nous tenir informés. A priori, c'est ça, hein, c'est la cuisse, ça n'a pas tenu. C'est sortie définitive, c'est, je pense, ressenti de sa cuisse, c'est peut-être une élongation à la suite de sa course tout à l'heure. Ouais, ça c'est un coup dur, hein. Après 30 minutes de jeu, perdre son talonneur. On revient là à cette mêlée et les Toulonnais qui vont récupérer une nouvelle pénalité. Et là, on fait appel évidemment à Wilkinson pour ils sont pris. Concrétiser. Ils sont pris et M. Berdos, maintenant, à juger, hein, à juger que la mêlée castrée était pour le moment plus faible, donc n'hésite pas, dès qu'il sent que la domination et l'avancée toulonnaise a sanctionné les castrés. Je ne serais pas surpris que Tommy Oppo rentre en deuxième mi-temps. Pierre Mignoni, pleine discussion ici avec Sébastien Tiusbord. Quoi vous dire de plus sur Johnny Wilkinson que vous ne sauriez pas? Johnny Wilkinson, deuxième meilleur réalisateur de tous les temps derrière Dan Carter avec 1246 points. Sacré champion du monde à 24 ans avec l'équipe d'Angleterre en 2003. Il a même réussi à mettre à la retraite un certain Fabien Galthié. Il a tout connu, Johnny Wilkinson, et pour son dernier match, il veut aller chercher ce bouclier de Brennus, et pour l'instant, il tient à bout de pied le rugby club toulonnais dans cette première période. Ouais, il est bien. Là, il commence à être un peu plus loin. Il va falloir qu'il force un peu sa frappe. Mais en finale, en général, il ne les manque pas quand il décide de le frapper. C'est parti pour Johnny Wilkinson et ça va passer entre les poteaux. Toulon revient à un point de Castres. Merci, Johnny. 10 à 9.
Toulon recolle, mais Toulon est toujours derrière après l'essai de Max Evans. Et encore du changement à suivre, Philippe. C'est pour l'instant, on est en train de se poser la question de savoir si on sort Kahleman qui saigne sous son bandeau et fait rentrer Martin Castro Giovanni. Pour l'instant, M. Berdos a l'air de laisser faire. Et en attendant, Rémi Thalès a effectué le renvoi. Une bonne prise de balle dans les airs d'Ali Williams qui lui apporte hein, en touche sur les renvois. C'est son point fort, très adroit. Tius Board par-dessus. Elle vient taper, c'est bon. La scène tout de suite sous la pression de Bakis Botta. Et oui, il peut gratter ce ballon. Smith, et c'est bien fait. C'est un bon ballon à négocier. Wilkinson la passe au pied sur l'aile de Drew Mitchell. Rémi Grosso en repli défensif. Et il va sortir, concéder cette touche. L'occupation, le coup d'œil de Johnny Wilkinson pour occuper le terrain. Ah, c'est souvent là que se débloque la situation sur les chandelles. Alors là, c'est vrai que Klaassen va assurer la possession. Mais regardez la pression de folie que va lui mettre Botta et Abana pour derrière concéder un turnover. Là, il y a des joueurs qui travaillent. Il y a des ferrailleurs, comme on dit. Ils sont champions du monde. Hein. N'oublions pas que j'étais champion du monde ici même avec l'Afrique du Sud. En 2007. Et ils veulent le titre champion de France. Premier lancé en touche à négocier pour Jean-Charles Aurioli qui a donc remplacé Burden. Début de touche, il a failli être contré. Contré, mais. Armitage. Un débordement. Stoppé finalement par Thalès, Sébastien Tius board même sens avec Ali Williams face à Caballero. Il est enfermé, c'est peut-être un maul. C'est un maul. Monsieur Berdos. Eh oui. Et il va donner une mêlée à Castres, très bien défendu de la part des Castrés encore une fois. Et vous savez qui c'est qui est venu défendre là ? C'est Cocotte avec Caballero. Demi de mêlée qui est capable de vous contester 3-4 ballons par match. Troisième ligne. Il s'engage comme un troisième ligne. Il pèse énormément défensivement pour son équipe. Il conteste les ballons au sol. Il vient ici fermé sur Ali Williams. Elle est superbe contre. L'activité. Et pourtant, qu'à Portega, c'est pas un joueur très grand. C'est un ballon jouable. Mais c'est là où ils sont très forts en touche, les Castres. C'est qu'ils ont plusieurs sauteurs collectivement. Qu'à Portega, malgré sa masse, a du jump, comme on dit, collectivement. Alors là, pour le moment, c'est le point faible des Castres. Ils n'ont pas réussi à maîtriser une seule de leurs mêlées. Parce que les Toulonnais vont pouvoir les basculer comme ils l'ont fait sur les précédentes. Ils vont faire l'effort, les Toulonnais, à 5 minutes de la mi-temps. Ils évacuent rapidement ce ballon, mais ils sont sous pression. Là, les Castres, à l'image d'Anthony Klaassen face à Smith. Il s'est couché sur ce ballon, Richie Gray, de manière un peu illicite, mais il est récupéré là par Stéphane Armitage. Le drop de Johnny Wilkinson face au perche. L'ange blond au pied d'or de Toulon permet au RCT de reprendre l'avantage dans ce match. 12 à 10. C'est la mêlée qui pose problème à Castres pour le moment. Et du droit encore. Comme en finale de Coupe d'Europe. Il a les deux pieds, Johnny Wilkinson. Et à cette distance. Comme en demi-finale de Coupe du Monde. Tu montes sur son pied gauche, il tape pied droit. Tu montes sur son pied droit, il tape pied gauche. Alors après, tu montes de plus. On va finir par penser que c'est le bon pied. Hein. Mister Sorry. Désolé de passer tous ces coups de pied et il permet en tout cas à Toulon de reprendre l'avantage à 5 minutes de la fin de cette première période. Première période plaisante, il faut le dire, parce que parfois en finale on assiste à des matchs serrés. Ce soir il y a du spectacle. Johnny Wilkinson, on le retrouve pour le dégagement. Touche trouvée légèrement dans le camp de Castres. Allez, Toulonnais qui ont repris le score hein. Après l'avoir perdu pendant grande majorité de la première mi-temps, c'est leur mêlée qui pose problème au casqué. Allez, le rappel pour élire et désigner le talent d'or Société Générale, vous votez sur le site francetvsport.fr et l'appli mobile France TV Sport. Vous gagnez vos places pour le match France-Australie qui sera diffusé sur nos antennes le samedi 15 novembre au Stade de France dans le cadre de la tournée automnale des Bleus. Lancé Brice Mack, 3 minutes 30 encore à jouer dans cette première période. Court avantage aux Toulonnais pour l'instant. Klaassen pour Lamera qui résiste au plaquage de Guito, un plaquage haut d'ailleurs. Avantage. Dulin qui se débarrasse un peu du ballon, ça ne profitera pas, reviendra à la pénalité. Ouais. Elle est dans les cordes de Cocotte. Hein. Ah oui. En demi-finale, il prenait tout à partir des 55 mètres.
Donc elle est assez courte. À l'échauffement, ça lui posait aucun problème. Ouais. 45 mètres en face des poteaux. Comme qui rigole. Et le chassé croisé continue. Hein, dans cette finale, on se rend coup pour coup. Non, quand même. Y compris au sens propre comme au sens figuré, parce que la Meura, là, il a pris. Il pose problème. Petite manchette de Guito. On a du mal à le prendre, à le saisir, à le faire tomber. Ce joueur puissant, hein, plus de 5 kilos. Et regardez comme il met en difficulté Guito sur cette collision. Alors on a signalé un plaquage au haut. Alors cette fois-ci, ce sont les Toulonnais, les supporters toulonnais qui sifflent après d'avoir vu le ralenti. En attendant, Cocotte a l'opportunité pour Castres de passer 3 points qui permettront aux champions de France en titre de reprendre les commandes de cette finale à 2 minutes de la fin du premier acte. C'est parti, il a glissé, Rory Cocotte. Et le premier échec du buteur castrais sur la prise d'appui, on l'a vu. Et Toulon conserve ce maigre avantage de 2 points. Ça va compter ça, je peux vous dire qu'avant de rentrer au vestiaire, en finale, celui qui marque avant de rentrer au vestiaire permet de respirer et donne une mi-temps plus agréable à jouer. Ça va compter cet échec de Cocotte. Largement dans ses cordes. Renvoi pour Johnny Wilkinson et le rugby club toulonnais. Il est bien tapé, bien haut. Caballero qui a du mal d'ailleurs à capter ce ballon. C'est récupéré par Williams. Tiusbord qui négocie un fermé avec Stéphane Armitage, lancé comme un frelon dans la défense de Castres. Tiusbord au large maintenant avec Bastaro. On est venu couper les extérieurs. Il a bien fait de garder ce ballon. Il a renversé Rémi Thalès. Le coup du bélier là, la tête en avance, Nice. Tiusbord. Williams, oui, la passe flottante qui n'arrive pas dans les mains de Mathieu Bastaro qui commet même un en avant. Ça manque un peu de continuité dans le jeu de Toulon. Il y a des étincelles. Ouais, non, il y a des étincelles, mais c'est notamment pour changer le sens du jeu que les Castrés arrivent à bien fermer. L'initiative toulonnaise, quand on joue dans le sens ou quand, justement, comme vous le dites, après les étincelles, les transformations sont bonnes, c'est pour se redistribuer lorsqu'on change le sens du jeu, qu'on perd un peu ses repères, on mélange un petit peu manipulation et percussion. Les Castrés en profitent parce qu'ils ont une défense qui se replace très très vite, assez malléable et, je veux dire, efficace quand même. Hein. Et du rythme et des allers-retours, Fabien, parce que sur les replis défensifs, quand il y a des ballons de turnover et ses coups de pied, eh bien, on grille de l'énergie. Et à ce rythme, est-ce que les Toulonnais vont pouvoir tenir la cadence, ceux qui enchaînent une fin de saison complètement folle, demi-finale, finale de top 14. Et pareil en Coupe d'Europe. Déjà, cette dernière mêlée va être. Oula. Akis Bota avec Klassen, quelques mauvais gestes et le fameux bisou. La signature de Akis Bota à destination de Rémi Thalès. Déjà, cette mêlée va être. Décisive, il ne peut pas se permettre les Castrés de reprendre encore. Voilà. Mêlée qui tourne. Que dit Monsieur Verdeau, ça va pénaliser tout. C'est bien. Alors, c'est vous bien disiez, bien. Fabien, tout à l'heure que Rory Cocotte, à partir de cette distance, parfois il apprenait. Avant la mi-temps, mais le problème c'est qu'il vient d'échouer à 15 mètres. Il va l'apprendre. Ouais, il apprend. Sur la sirène. Rory Cocotte en échec tout à l'heure. Chapeau. Hein. Je me souviens d'une finale de Stade français. C'était un Sud-Africain aussi qui jouait avec nous qui s'appelait Brian Lindenberg. C'était en 2003, il l'avait mise de là. Je peux vous dire que quand vous avez un partenaire qui a une pénalité à cette distance, ça, avant de rentrer, Ouais, ça fait du bien. C'est certain, dans les grandes finales comme ça, à cette distance, il y avait eu un certain Serge Blanco aussi avec le BO qui avait réussi à passer ce type de coup de pied. Alors les Schtroumpfs Castrais vont-ils reprendre l'avantage juste avant la mi-temps sous le regard de Mathieu Bastaro? Pénalité longue distance de Rory Cocotte. Un échec ce soir pour le buteur Castrais. Là, il va falloir mettre les gaz. Hein. Là, il va falloir mettre la patate. Hein. Surtout, il a glissé auparavant. Donc là, alors qu'il garde l'équilibre sur sa prise d'élan, sur sa frappe.
Regardez un peu avec ce plan de derrière, ça fait loin. Il a forcé cette frappe, Rory Cocotte. Il n'a pas la distance ni la précision. Et Dylan Armitage, comme à son habitude, qui va brancher un peu le public castré en tapant ce ballon de leur côté à la pause de cette finale à mi-parcours. Toulon est en tête 12 à 10, Fabien, au cours d'une première mi-temps plaisante. Ouais, pas mal de contres, de turnover, de contre-attaques, des équipes qui se sont jetées dans la bataille sans trop calculer. Ça donne un match très agréable à suivre. Allez, Sébastien Thiusbord avec Philippe. Allez, Sébastien, qu'est-ce que vous dites de cette première mi-temps? On a l'impression d'une mi-temps de puncher où tout le monde se rend les coups, hein, les uns après les autres. Ouais, c'est vrai. C'est dommage parce qu'on fait trop de fautes. On était beaucoup indisciplinés. On se fait sanctionner. On a rendu 2-3 fois le ballon un peu bêtement. On prend l'essai sur un contre que Dulin joue bien avec Evans. Voilà, il va falloir qu'on soit plus pragmatique. Je crois qu'il va falloir les resserrer. Ils sont bien en place sur la largeur. Il va falloir les travailler dans l'axe et les resserrer pour pouvoir jouer des coups parce que je pense qu'au fur et à mesure des matchs, il y en aura à jouer. Et Brice merci. Dulin, justement, ouais. Brice Dulin, on le retrouve avec Laurent. Brice, il y a un petit point, il y a un petit écart à la mi-temps, mais finalement, un ballon, un essai, le seul essai, c'est pour Castres en première mi-temps. Ouais, mais bon, on voit que c'est serré, on a du mal à sortir de notre camp, donc il va falloir être plus pragmatique sur la seconde période pour essayer de les maintenir chez eux parce qu'on voit qu'ils arrivent à scorer, ils sont très réalistes, donc voilà, éviter les petites erreurs et arriver à les maintenir chez eux au maximum. Allez, bon repos. Allez, on va se revoir l'action un petit peu déterminante de cette première période. Hein. Castres qui était sevré de ballon, qui était mené au score et sur une étincelle, celle de Max Evans va aller inscrire le seul essai pour l'instant de cette finale. Mais quel essai ? Un ballon rendu par Toulouse Bordeaux au pied. Derrière, un tour de contrôle, Klaassen qui va allonger le ballon pour Evans. Et après, c'est un numéro de soliste. Il va battre 4 défenseurs sur sa course. Joue au pied pour lui-même. La Cocotte va profiter du rebond favorable pour mettre la pression sur Armitage et Klaassen et Evans qui a bien suivi, qui vient aplatir dans l'embut. Max Evans, seul essai pour l'instant de cette première période à l'avantage des Castrés, les champions de France en titre. Sauf que, évidemment, Johnny Wilkinson en face a répliqué 12 points au pied qui permettent à Toulon d'avoir 2 points d'avance à la pause. On fait un très court détour par la régie à Paris pour voir un petit peu la météo du week-end. Et on se retrouve rapidement ici au Stade de France. Restez bien avec nous, à tout de suite. Le geste pro. Le rugby sur France 2. Avec Gélimat, matériaux et bricolage. GMF, partenaire du top 14. Épizorno Environnement, propreté, collecte, tri et valorisation des déchets. Il y a ceux qui ont une belle main. Et ceux qui ne cèdent pas un pouce de terrain. Il y a celles qui gagnent les doigts dans le nez. Merci à tout le public. Et celles qui se battent bec et ongles. Il y a ceux qui passent à deux doigts de la victoire. Et ceux qui ne laissent jamais leur empreinte. Mais le French, ce n'est pas une manucure, c'est un rendez-vous majeur. Alors, pour ne pas rater une balle, avec France TV Sport, vous avez tout Roland-Garros au bout des doigts. Les internationaux de France, du 25 mai au 8 juin, en direct sur France 2 et sur tous vos écrans. GDF Suez, partenaire énergie de Roland Garros. Roland Garros, avec Peugeot, partenaire officiel. Regardez la météo avec Cofidis, solution crédit. Bonsoir à tous et on profite de la mi-temps pour vous parler de la météo de ce fameux dernier jour de printemps car oui, demain c'est le premier jour de l'été météorologique et nous allons encore une fois retrouver de très bonnes conditions grâce à cet anticyclone des Açores qui s'étale jusqu'en direction de la Scandinavie. Certes, nous avons eu quelques averses aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest ou encore en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, mais ça va s'atténuer petit à petit. Ce soir, vous retrouverez encore ces quelques averses essentiellement sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Autour de la Méditerranée, le vent va souffler jusqu'à 60 km/h, mais partout ailleurs, c'est un ciel variable. Des températures qui resteront douces. 11 degrés à Cherbourg, c'est la minimale, jusqu'à 19 degrés du côté de Perpignan, 16 à Bordeaux, 17 degrés du côté de Lyon. Demain matin, c'est le soleil qui va vous réveiller sur la plupart de nos régions. Alors on aura un ciel un petit peu plus nuageux de la Normandie en remontant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec quelques averses possibles, toujours sur les reliefs des Pyrénées ou encore des Alpes. Et avec le vent qui va souffler autour de la Méditerranée, on attend une tramontane jusqu'à
jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, eh bien, on aura encore quelques passages nuageux, mais l'ambiance restera très agréable. Regardez les températures en matinée, comprises entre 4 degrés à Aurillac jusqu'à 16 degrés à Perpignan, en passant par 11 degrés à Paris ou encore 8 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, une petite baisse qui s'amorce avec 19 à Paris, 16 degrés encore une fois la minimale pour Cherbourg, 18 à Brest, 23 à Bordeaux ainsi qu'à Lyon, 21 à Strasbourg, jusqu'à 26 degrés encore une fois autour du golfe du Lion. La suite du programme avec pour lundi un ciel encore bien dégagé vers l'est du pays ou encore autour de la Méditerranée. Alors on risque d'avoir quelques averses du Nord-Pas-de-Calais en descendant jusqu'aux Pyrénées, des averses plus fréquentes d'ailleurs sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, une moyenne de 20 degrés attendue sur le pays. Mardi, c'est à peu près la même journée, la même configuration qui vous attend, mais c'est à partir de mercredi que le temps va devenir beaucoup plus instable avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le pays que vous allez retrouver des Pyrénées en remontant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec des pluies continues et de part et d'autre, on aura un ciel nuageux avec des averses fréquentes, tout cela avec le vent de secteur ouest qui va souffler, tout cela également avec une baisse, une chute des températures. Jeudi, un ciel de traîne à l'arrière de la perturbation avec un temps beaucoup plus sec autour de la Méditerranée et petit à petit, les températures vont de nouveau grimper sur tout le pays. Vendredi, on attend même le retour du soleil dans le sud et l'est et à partir de dimanche, de nouveau, de l'instabilité, mais on en reparlera bien sûr dans ces prochains jours. Je vous laisse pour votre seconde mi-temps Toulon-Castres avec une température de 16 degrés et un vent de secteur nord qui va souffler jusqu'à 15 km/h. Excellente soirée à tous sur France 2. C'était la météo avec Cofidis, solution crédit. Juin 44, la lumière de l'aube. 70 ans après, l'histoire s'éclaire à nouveau. Sur France 2. Le geste pro. Le rugby sur France 2. Avec Gélimat, matériaux et bricolage. GMF, partenaire du top 14. Et Pizorno Environnement, propreté, collecte, tri et valorisation des déchets. Voilà, comme promis, vous êtes de retour au Stade de France. Pour l'instant, à la mi-temps, le rugby club toulonnais mène de 2 points, 12 à 10, 12 points de Johnny Wilkinson contre un essai de Max Evans. C'est la botte de Rory Cocotte, une première mi-temps plaisante. On se régale à l'occasion de cette finale. Alors vous le savez, si vous étiez avec nous à la prise d'antenne, on commémore également le centenaire de la Première Guerre mondiale, le rugby qui a payé un lourd tribut durant cette grande guerre. On l'a dit, d'illustres prédécesseurs, Fabien Galthié comme Armandy ou Amédée Domenech, ont perdu la vie sur le front. C'est l'histoire ce soir que vous raconte Philippe Lafont sur un montage de Catherine Deret. France Télévisions, partenaire officiel du centenaire de la Grande Guerre 14-18. 15 000 spectateurs au stade des Ponts Jumeaux de Toulouse. Nous sommes le 3 mai 1914. La 23e finale du championnat de France de rugby oppose l'AS Perpignan au stade Auceste Tarbais. Ce jour-là, Aimé Giral, jeune ouvreur de 18 ans, entre à jamais dans la légende du rugby catalan. Dans un silence de cathédrale, il tape la transformation de la victoire. 8-7, Perpignan est champion de France pour la première fois de son histoire. Aimé Giral est son héros. Un an, 2 mois et 19 jours plus tard, l'aspirant Aimé Giral du 80e régiment d'infanterie est fauché par un éclat d'obus. Il meurt dans les tranchées de la Marne le 22 juillet 1915. Il n'avait pas 20 ans. Des champions de France perpignanais de 14, Schuller, le talonneur, était tombé le premier, 3 mois après le titre. Ensuite, il y avait eu Gravas, Fournier, Lida, Noté, fauché cette même année. Puis Giral et Couf en 1915. En tout, 7 joueurs sur 15 morts au combat. Le rugby catalan avait payé le prix fort à la Grande Guerre. Le stade de rugby à 15 de Perpignan porte depuis le nom d'Aimé Giral. Avant-guerre, le rugby n'est pas seulement destiné à distraire la belle jeunesse de France. Dans ses statuts de 1902, par exemple, l'AS Perpignan se propose de développer chez les jeunes gens les aptitudes physiques, de préparer à notre armée des soldats robustes et à notre démocratie des citoyens. Elle leur enseignera à sacrifier le caprice individuel à l'intérêt collectif et leur sera un apprentissage au devoir militaire et civique.
12 ans plus tard, ces mots prennent tout leur sens. Et quand il devient clair que la guerre s'éternise, qu'il faut trouver une occupation aux soldats hors temps de combat, tout naturellement le rugby se pratique à l'arrière des lignes de front. Les régiments se côtoient, on s'affronte dans des parties amicales. On transmet ce rugby pratiqué par les sportsmen des troupes britanniques. Paul Andrion, joueur du Stade français, écrit en 1915. C'est un vrai délassement de jouer au football rugby de temps à autre. Loin de fatiguer les poilus, ça redonne de l'énergie. Et puis c'est si bon de plaquer les copains. Plusieurs d'entre eux, de la campagne, ignoraient ce noble sport et sont en train de devenir fanatiques du ballon ovale. Souvent issus du monde rural, les rugbymen sont plutôt dans l'infanterie bien formés. Ils sont souvent officiers ou sous-officiers au front. Ils chargent à la tête de leurs hommes. La Grande Guerre a donc décimé le rugby français avant d'en faire un sport populaire en province et dans les campagnes, au retour du front. L'aviron bayonnais, 7 morts parmi les 15 champions de France de 1913. Le grand Stade toulousain, champion 1912, 81 sociétaires tués au combat. Le Stade français, 650 licenciés partis au front, 168 morts, 225 blessés. Sur 424 soldats reconnus sportifs de haut niveau tombés pour la France, 121 étaient des rugbymen. Leur lourd tribut à la guerre de 14-18 se mesure dans chaque club de France, où le stade, souvent, porte le nom de l'un d'eux, rappelant leur sacrifice, il y a 100 ans. Voilà, nous avons tous un devoir de mémoire, évidemment, pour ces hommes tombés au combat et qui ont contribué à l'histoire de notre pays. Et regardez un petit peu cette tunique, c'était celle de 1914, Fabien Galthié, des réplicas qui sont fabriqués en France. Il est magnifique, ce maillot, et c'est avec cette tunique-là que l'équipe de France, à l'époque, allez jouer. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet? C'est beau. Enfin, c'est d'abord émouvant parce que ce sont nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ont tout donné pour sauver la France. C'était, et puis ça fait honneur à notre sport aussi quand on voit un petit peu l'engagement qu'ont pu avoir tous ces soldats pour une fois de plus défendre la patrie. Donc c'est vrai que il n'y a pas de limite à leur rendre hommage ce soir. Je trouve que c'est magnifique. Voilà. Et le trait d'union entre l'histoire et le rugby est tout trouvé ce soir parce que c'est une finale de combat. Fabien Galthié, pour l'instant, un combat à mi-parcours remporté par les Toulonnais et la botte de Johnny Wilkinson. Mais le seul essai de cette finale, il est pour Castres et il est magnifique. Cet essai sur un ballon de récupération parfaitement négocié par les Castrais. Brice Dulin, premier relanceur, qui va trouver Classen. Et puis derrière, c'est le coup de génie de Max Evans. On monte pas très bien côté toulonnais puisque on se retrouve avec des avants face à Max Evans. Donc la différence avec de l'espace, Max Evans va le faire avec ses jambes. Et puis quand ça se referme, il va utiliser son jeu au pied pour mettre la pression sur Dallon Hermitage. Et derrière, il avait suivi. Et c'est lui qui va conclure cette action de 90 mètres. Alors vous me disiez pendant la pause météo, Fabien Galthié, que les Castrais allaient devoir rectifier deux choses. L'échec peut-être de Rory Cocotte qui psychologiquement peut peser à la bord de cette deuxième mi-temps. Et puis surtout, un problème récurrent en mêlée fermée. Oui, ils sont dominés en mêlée fermée. Ils ont perdu des possessions faciles à maîtriser. Je pense qu'ils vont. Serge Mias va modifier rapidement sa première ligne ou son 5 de devant pour essayer de répondre à cette problématique que lui pose l'équipe de Bernard Laporte. Quant à Rory Cocotte, eh bien, là par contre c'est lui qui a les clés, il est le buteur de cette équipe, il faut qu'il se remette en son match. C'est vrai que ses tentatives étaient très éloignées, hein, 45 mètres, 55 mètres, mais ça compte, hein, 6 points laissés en route, ça, pour le moment ça vous fait un bouclier de Brennus. Mais la fin se rapproche petit à petit pour Johnny Wilkinson qui répond présent dans cette finale. Les 12 points de Toulon ont été marqué par l'ouvreur anglais du RCT. Allez, Pierre Mignoni avec Philippe. Allez, Pierre, quel était le discours dans les vestiaires avec ce chassé-croisé entre vous et Castres qui n'en finit plus? Non, on leur a dit de rester calme sur la discipline, ça c'est évident. Après, de construire notre jeu, d'être un peu plus patient. On a fait une erreur, on a rendu un ou deux ballons, on a pris deux contres. Il marque un essai dessus, donc voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus patient, qu'on construise plus notre match avant de lâcher les ballons au large. Voilà, et puis après, être entreprenant comme il faut. Scorer. Allez, Serge Mias avec Laurent. Pierre, Serge, c'est vrai qu'il y a deux points de retard, mais il y a un secteur à améliorer. C'est la mêlée fermée, c'est votre avis? Oui, mêlée, les rucks aussi, parce qu'on a été un peu contrariés. On n'a pas pu tenir un peu la balle. Je pense que si on tient la balle, on peut peut-être les mettre un peu plus en difficulté qu'on ne l'a fait. Pas de changement, là? Non, pas pour moi, merci.
Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps a été donné par Rémi Thalès. On avait du mal à donner un favori avant cette finale. Fabien Galthié a mis parcours, c'est toujours le cas. Ah, rien n'est fait, rien n'est fait. Je dirais peut-être pour le moment un petit avantage aux Toulonnais qui d'abord font encore sans tête, n'ont pas marqué d'essai, mais ont leur buteur qui fait un 100% avec un drop. Ils sont en train de dominer la mêlée, ils ont réussi à avoir leur possession en touche. Ils ont l'initiative du jeu, les statistiques, la possession, l'occupation est à leur avantage. C'est un peu mis dans le match. C'est match, attention. Déviation Caballero pour Cocotte qui sert Max Evans qui est vraiment partout ce soir. Point de fixation créé. Thalès maintenant avec Brice Mack face à Johnny Wilkinson et Matt Guiteau. Ballon conservé par Castres. Thalès à nouveau dans le dos de la défense. Abana en couverture. Ah, il a bien décroché, il avait bien anticipé la course de repli. Joue au pied derrière dans les bras de Thalès. Cocotte, il peut servir Dulin, il a de l'espace. Brice Dulin, mais problème d'appui comme Cocotte tout à l'heure, ils ont peut-être pas chaussé les crampons. Il fait pas son meilleur match pour Brice Dulin, il est important pour cette équipe de Castres, c'est lui qui arrive à faire avancer les ballons à la main comme au pied. Armitage servi par Abana, échange de coups de pied pour l'instant, aucune des deux équipes ne trouve les touches et Max Evans à la relance maintenant pour le CO. Ouais, la fin de passe, mais il a pas mordu là. Le défenseur toulonnais, Armitage en l'occurrence, et un ballon même presque récupéré. Non, finalement, ça profite au Castres. Le rapport Grèce, ils sont. Faut pas le perdre cet avantage. Rousseau par-dessus, Wilkinson en repli dans ses 22 mètres. Ils ont perdu le manque de marque. C'est peut-être un en avant, alors je pense que c'est pas une pénalité parce qu'on perd pas d'avantage sur juste pas de passe. Lui aussi. Et partout, Johnny Wilkinson, dans les moments chauds, il était là pour contrôler ce ballon. Le dégagement de l'ouvreur anglais pour trouver une touche dans le camp de Castres. Et rapidement joué par Dulin. Cette fois-ci, il remonte le terrain, Brice Dulin. J'ai entendu Fabien, mais il est bien ceinturé, la partie Usboard. Il ne fait pas beaucoup de bruit hein, ce joueur. 8 sélections seulement en équipe de France, mais il est 9e avant, il plaque comme une troisième ligne, il est très costaud, il perd peu de possession de balle. Un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe, à l'image des Toulonnais, il y a beaucoup de stars, mais toutes ces stars, elles travaillent pour l'équipe et font le sale boulot. Lamera, oh, qui a envoyé balader Johnny Wilkinson, il a des pistons, il passe des bras ce joueur. Hein. Ouais, mais il est chassé par les autres. Si Johnny est tombé, les autres étaient là. Thalès. Avec Cabane, la redoublée, c'est pas mal fait ça. Et on va jouer dans le fermé maintenant. Thalès qui tente de passer les bras, il y arrive pour Grosso face à Mitchell. Poussé en touche finalement par Bakis Botta. Les Castrets envoient un petit peu de jeu là dans ces trois premières minutes. Ouais, mais pas de problème pour les Toulonnais. Attention, ça joue vite. Pas de problème pour les Toulonnais. Ils perdent du terrain. Derrière, ils ferment bien. Ils récupèrent même la possession. Les Castrets qui essaie de se libérer et toujours Lamora qui est difficile à prendre. Il a fallu quand même 3 Toulonnais pour l'arrêter. Voilà, le joli redoublé. Joué dans le dos. Cette touche est importante. Hein. N'oublions pas que le point fort des Castrets, c'est le contre. C'est pour ça que les Toulonnais ont réduit. Là, ils sont plus que 4 dans l'alignement. 5, pardon, 5. Et lancé Orioli, hein, puisque si vous nous suiviez en première période, Burden est sorti à la demi-heure de jeu. Touché à la cuisse en finale de Coupe d'Europe, ça n'a pas tenu pour le talonneur sud-africain du RCT. A priori, il a repris une béquille au même endroit. Ouais. Petit Usboard par-dessus. Un petit peu court. Un peu courte. Il faut gagner le duel. Ouais, et c'est Klassen qui s'impose. Il est fort sur ce type de ballon de Klassen. Il fait souvent avancer son équipe. Caballero libère pour Cabane. Bonne séquence là des Castrets avec Cocotte qui va jouer dans le fermé encore. On monte, on coupe les extérieurs. Ouais. Là, c'est une passe qui termine en touche. La glissade d'Herrera derrière. Drôle de destin hein, pour ce joueur Ramiro Herrera qui vient d'Argentine, qui est arrivé en cours de saison en tant que joker médical et qui est titulaire sur les phases finales avec Castres et qui fait des bons matchs. Ouais, ouais, il n'avait plus de droitier puisqu'ils avaient Villonghi, notamment le pilier titulaire à droite qui était blessé grièvement une jambe et ils ont trouvé. À 2 mois de la fin de la saison, le joker médical, la révélation, très très actif, c'est vite mis au niveau. Orioli, la déviation de Bakis Botta, ce ballon qui revient dans les bras de Stéphane Armitage, qui lutte pour libérer proprement ce ballon, mais il a été arraché par les Castrets face à Lélé en possession de ce ballon.
sont rugueux au contact. Hein, les Castrets, ils font une bonne entame de deuxième période avec Lamera à nouveau pour Dulin. Le relais de Grosso maintenant qui résiste au plaquage. Il est solide face à Abana. Et il joue, mais il ne passe pas pour le moment d'avantage. Et surtout, il vient de perdre le ballon. Et le coup de pied de Johnny Wilkinson pour écarter le danger. Brice Dulin qui tape à son tour droit devant. Retour à l'envoyeur. Longue passe de Wilkinson à destination de Drew Mitchell. Et dans le troisième rideau, c'est Anthony Klassen. Très bien placé. Mais par contre, il est obligé de reculer. Oup là, ça c'est pas sa tasse de thé. Attention, Anthony Klassen, il est attention parce que là, ce coup de pied. C'était maintenant au Toulonnais d'accélérer avec la possession. Armitage, le petit coup de pied rasant dans le dos pour trouver une touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. Serge Blanco et Rémi Flimelin, le président de France Télévisions en tribune. Et on va retrouver une touche pour les Castrets. Sur la ligne des 22 mètres, record d'affluence battu pour cette finale de championnat ce soir. Chaude ambiance au Stade de France. Avec ses 11 500 supporters de Castres qui ont fait le déplacement. Soutenir leur équipe. Dégagement de Rory Cocotte qui a lobé Brian Abana. Ça compte hein, parce qu'il aurait pris ce ballon en pleine course, il aurait pu le relancer. Là malheureusement, il se débarrasse du ballon. Ouh, quelle est belle. Elle est belle. Ouh, quelle est belle. Magnifique. Là, là, ça aussi, ça compte. Dulin va la jouer rapidement. Et le dégagement de Dulin, il va falloir qu'il se parle. Ils l'ont bien fait. Avec Stéphane Armitage qui fait un peu de travers face à Herrera. Là, il est stoppé net. Caballero est venu plaquer. Ah bah, en position de demi-mêlée. Pour servir Fernandez Lobé dans le fermé. Il a le soutien de Smith, mais il conserve cette balle. Orioli maintenant. Avantage en cours pour le tournoi. Ah, ça râle. Ça râle sur le banc de Castres. C'est la même que pour là-bas, plus bas. Tu vois pas de plaquage ici. Les Castres sont sanctionnés par Monsieur Berdos. On n'avait pas eu trop de rangs d'observation, comme on a coutume de dire lors de la première mi-temps. Là, on sent ces 7-8 premières minutes en deuxième. Là, prends pas de risque. Les Toulonnais font le dos rond. Hein. Expérience, maîtrise. Ils ont subi tranquillement les 7 premières minutes et maintenant ils reprennent la possession. C'est parfait le scénario pour eux. Pour le moment, c'est les Castrets qui doivent recoller au score. Touche pour eux, intéressante à jouer pour les Toulonnais. Pas une touche complète à jouer par les Toulonnais pour éviter le contre dévastateur des Castrets. Et l'option Ali Williams à la place de Dani Rosso qui paye ses fruits hein, ce soir. Option gagnante. Hein. Et voilà, ils m'ont fait mentir parce que j'ai l'impression que ça va être une touche. Non, 6 plus 1. 6 plus 1. 6 plus 1. Non. Non, on arrive. Non. On attend. Complet, complet, on complet. Attend. Première touche complète. Il va falloir éviter le bloc du milieu qui bouge très bien à Castres. Orchestré par Caballero, ils ont joué en fond de touche et il a lobé son sauteur Jean-Charles Orioli, ballon récupéré par Rémi Thalès sous la pression de Armitage. S'il a raté, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a beaucoup de pression sur le bras du lanceur avec ce contre. Cabane et Lamera, la paire de centres qui a combiné pour conserver cette balle. Cocotte s'en sépare à nouveau au pied. Abana. Pied droit, vous avez remarqué qu'il tape pied droit, pied gauche, oui, sans problème. Dans la diagonale, ce ballon, il est direct. Mauvais choix. Là, ce sont des possessions maintenant qui commencent à avoir de l'importance puisqu'on approche de la demi-heure, dernière demi-heure de jeu. Un joueur de ce niveau-là ne peut pas se permettre un petit peu d'erreur en finale. Et vous remarquerez que Cocotte, il travaille des deux pieds, hein, sans problème. Abana derrière, ça fait un moment qu'il fait l'essuie-glace hein, pour aller rechercher les ballons. Oui. Ça n'excuse pas danser à suivre pour Brice Max sur la ligne des 10 mètres dans le camp de là, là je ne serais pas surpris qu'on sorte un premier sauteur sur Caportega, il n'y a pas de contre. Voilà, tranquille. Allez, il bouge. Et Caballero, il revient devant pour dévier ce ballon. Cocotte avec Lamera, Thalès maintenant. Elle est belle cette attaque première main, mais il y a un en avant. Trop plat par Brice Dulin. C'est dommage parce qu'ils ont des ballons à jouer, les Castrets, grâce à cette formidable rampe de lancement. Johnny, 10 rouge, capitaine. Touche ou mêlée. En avant, touche ou mêlée.
trop plat. On est venu se coller, ça a une avantage. On n'a pas eu la distance de sécurité pour manœuvrer face à, notamment au second centre. Pastoro qui a été venu fermer. Là, c'est moins vivant. Moins vivant, moins qualitatif que la première mi-temps. Hein. Là aussi, l'effet final du championnat de France commence à peser sur les épaules des joueurs. Ouais. Petit retard à l'allumage dans ce deuxième acte. C'est difficile de relancer la machine. Et des deux côtés, alors Herrera s'écroule sur cette bonne... Ah, ils vont chercher la percussion de Chioki qui avait été en difficulté dans ce secteur de jeu en finale de Coupe d'Europe. Ce soir, il est bien. Ils vont chercher, je pense, une double flexion d'abord. Hein. Ils ont pris l'ascendant sur la mêlée castrée. On va faire des changements du côté castré avec la sortie de Richie Gray, remplacé par Christophe Sanson, et Bormann qui va remplacer face à Lélé en troisième ligne. Ce sera juste après cette mêlée. Je suis surpris qu'ils n'aient pas changé encore un joueur en première ligne. Ah, il garde des cartouches peut-être. Ah, il faut faire attention quand même. Il faut pas les garder trop longtemps. Introduction Sébastien Thius. Barbilé en difficulté. Herrera sur cette mêlée. Pris par Chioki. Et il va y avoir aussi du changement du côté de Toulon avec la sortie de Chioki justement. Et la rentrée d'Alexandre Ménini. Qui avait fait une excellente entrée. Finale de Coupe d'Europe. Alexandre Ménini convoqué par le staff de l'équipe de France pour la tournée en Australie. Qu'il fasse quelque chose là côté Castres, sinon ils vont. On va faire entrer Tomo et Pao au poste en première ligne. Simone, Tomo et Pao. Il va amener un petit peu de poids à cette première ligne Castres. En attendant, Johnny Wilkinson, après 11 minutes, joué sur un faux rythme cher à Cédric Baudou. Ouais, et ça fait l'affaire des Toulonnais, je peux vous dire. Ouais. Cette touche trouvée de Wilkinson dans les 22 mètres de Castres, l'entrée en jeu de Ménini, donc à la place de Chioki. Et une belle munition à suivre pour les Toulonnais, à condition de trouver la clé face à cet alignement redoutable. Je l'entraînais ce joueur, ce français. Ménini avant qu'il... Il jouait troisième ligne. Il jouait troisième ligne ce joueur. Ensuite, il est parti à Mont-de-Marsan. Il s'est recyclé au poste de pilier gauche. Puis Biarritz. Ouais, entre-temps, il a bien mangé à la cantine, hein, parce que s'il était troisième ligne. Ouais. C'est Caballero qui sort finalement en troisième ligne. On avait annoncé tout à l'heure face à Lélé. Et c'est Caballero. Ah, ça, c'est un choix. Okay. Ils avaient fait ça aussi. Intéressant. Le même coaching en demi-finale, ils avaient fait. Et encore une fois, une prise de balle d'Ali Williams pour les Toulonnais. Ils sont bien construits, les Toulonnais. Première signalée par Monsieur Berdos, mais on essaie de dérouler. Ouais, ils ont récupéré une pénalité déjà. Kingsbord qui prend son temps pour servir Williams. On s'est jeté dans les jambes du côté de Capo Ortega et on va revenir à la pénalité. Un petit peu d'indiscipline dans les rangs castrés. Alors celle-là elle est pour Johnny. Face à Lélé, il n'est pas d'accord. Celle-là est pour Johnny. Tranquillement. Pied gauche, il va se reculer. On voit la même chose. Ah, 100% de réussite hein, ce soir pour Johnny Wilkinson face au perche, comme bien souvent on revoit cette magnifique prise de balle de Williams. Et derrière la faute ici de face à Lélé, est accusé d'avoir fait un petit peu le tour pour écrouler. Pas net sur cette image, mais bon. Ouais. Révélation lui aussi. Hein. Oui, même j'ai envie de dire l'invité surprise de Castres. En phase finale, il n'a été titularisé qu'à 8 reprises tout au long de la saison et c'est lui qui tient ce... Bon, alors évidemment, il y a Ibrahim Diarra qui est blessé dans les rangs de Castres. Venu de La Rochelle aussi. C'est un circuit pour Castres, les entraîneurs de La Rochelle, Thalès de La Rochelle. Un petit réseau. Ouais. La filière. Chacun a ses filières. Johnny Wilkinson. Mise en peinture ce soir. Celle-là, elle est étudiée sous toutes crottes, les coutures. Sur cette tentative de pénalité, elle est un petit peu plus difficile en coin pour Sir Johnny Wilkinson. Ça permettrait à Toulon de prendre 5 points d'avance. Il est là, Johnny Wilkinson. 15 points de sa majesté pour Toulon. Et 5 points d'avance maintenant. 15 à 10 pour le RCT. C'est le plus gros écart de cette finale pour l'instant. 5 points d'avance
à l'avantage de Toulon. Là, ça sent bon pour les Toulonnais. J'aime pas être trop. Il reste deux demi-heures à jouer, mais psychologiquement, ce que tu es en train de faire, Johnny Wilkinson. C'est pour un Lutage à sécuriser cette balle. Pour Sébastien Tiusbord, il a été ramené à l'intérieur, donc il faudra taper, mais pas directement en touche. Si, il est autorisé. Ce n'est pas une équipe qui aime faire la course derrière. Ah, puis là, on est typiquement, Fabien, sur les physionomies de match qu'affectionnent les Toulonnais. Ils ont fait pareil contre le Racing, contre les Saracens aussi. Une fois qu'ils ont mis la main sur le match, derrière, c'est très très difficile. Et Castres, c'est la même chose. Ils prennent le score en général. Ils arrivent à le tenir. Mais là. Et le public de Toulon se réveille ici au Stade de France sur ce lancer de Brice Mack. Début d'alignement parfaitement négocié par les Castrais. Avantage à couler, oui, ils vont récupérer une pénalité. Celle-là est importante. Et là, dans le duel, clairement, il y a un duel cocotte. Wilkinson, pour le moment, l'avantage de l'anglais. Il va falloir que le sud-africain, il a pris le ballon, il s'est reculé, il est dans son. Il sait qu'elle est importante, celle-là. Il ne peut pas enchaîner un troisième échec. Il ne peut pas. Il ne peut pas face à un joueur qui était en face de lui à 100%. Même si, évidemment, l'échec des 55 mètres, on peut lui pardonner aisément. Il y a peu de joueurs qui arrivent à passer des coups de pied à cette distance. Là, Rory Cocotte, il est dans ses cordes. Là, il faut expliquer la faute aussi, hein, sur la construction et la prise de balle à deux mains des Castrés. C'est un joueur toulonnais, comme précédemment face à Lélé. On n'a pas identifié le joueur toulonnais qui a écroulé illicitement le môle. Le public castrais retient son souffle ici au Stade de France. Elle est importante, cette pénalité, pour rapprocher Castres au tableau d'affichage. Il a changé de crampon. Ouais, il a changé de crampon. Ouais. Il était jaune. Ils sont blancs. Face au public toulonnais, cette pénalité de Rory Cocotte à la 57e minute. Guito qui bouge, donc qui s'agite. Ouais, c'est un échec. Aïe, 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 encore une fois. Et ça fait beaucoup. Beaucoup trop. Mathias Roland, le manager de Castres, l'a bien compris. 9 points laissés en route par Cocotte ce soir dans cette finale. Beaucoup trop pour le moment pour Castres. Face à un Toulon porté par le 100% de Wilkinson. Qui est au renvoi. Toujours aussi bien tapé ses renvois, mais il est bien capté ce ballon par les Castrais. Cocotte, on le retrouve à la libération pour Thalès. Thalès qui attaque la ligne d'avantage. Il est tombé sur Bastaro, mais dans la chute a servi Cabane pour Lamera. Wilkinson qui revient à travers. Il faut 2-3 joueurs à chaque fois pour le faire tomber. Hein. Lamera, trop solide. Trop pas de solution les Castrais pour le moment. Là, peut-être il y avait une passe sur un pas à faire. Bormann qui tombe face à Williams. Cocotte qui renverse pour Cabane, le jeu au pied par-dessus Brian Abana. Ouais, qui feinte la passe, il a bien fait, qui dégage le camp de Toulon directement dans les bras de Max Evans. Il avait marqué un essai comme ça en première période. Max Evans sur une relance. Dulin sollicité, fermé. Qui rebrousse chemin. Oh, et des pop. Le voilà, le Brice Dulin que l'on connaît. Vous savez qui c'est qui l'a repris par le short, hein? C'est Botta. Thalès avec Mac. C'est Botta qui l'a repris du même par le short. Cocotte. Thalès. Pas de solution ainsi. Ouf, ça monte, ça ferme en défense. Regardez là, il est Cocotte seul face à Ali Williams pour protéger ce ballon. Du coup, c'est face à Lélé qui libère pour Thalès. Gros saut avec ce jeu au pied qui va trouver une touche dans les 22 mètres de Toulon. Les Toulonnais qui pour le moment maîtrisent bien cette deuxième mi-temps. Bonne défense, les Castrés ne trouvent pas d'espace. Obligés de rendre les ballons. Et la touche toulonnaise pour le moment, je dis bien pour le moment, est en place. Allez, dernier rappel pour voter pour le Talent d'Or. Société Générale du soir. Vous allez sur notre site francetvsport.fr ou sur l'appli mobile France TV Sport pour gagner des places pour le match France-Australie que l'on diffusera le samedi 15 novembre au Stade de France. Et Bakis Botta, justement, Philippe, il cède sa place. Le grand Bakis, John Philippe Botta, son vrai prénom, laisse sa place à Jocelyne Ossuta en deuxième ligne. Et on a donc bien vécu la semaine dernière à Cardiff la dernière association de Botta et Rosso en finale de Coupe d'Europe. Je peux vous dire qu'il a fait son match. Et sur l'action précédente, il a plaqué deux fois, il a repris Doulin par le short qui était en train de,
déchirer la défense toulousaine. Et du côté castré, un changement de talonneur, Brusma qui sort, remplacé par Mathieu Bonello. Et on va retrouver un autre talonneur, Orioli au lancer pour Toulon. On arrive à l'heure de jeu, Toulon mène de 5 points, mais Toulon perd peut-être là une munition importante. Le dégagement d'Armitage, il y a eu un en avant par la suite, non ? Monsieur Berdos laisse jouer. Il semblait que ce ballon avait été mal négocié par Castres. Finalement, ça joue avec Lamera face à Guito. Evans refoulé par Mathieu Bastaro. La défense toulonnaise pour l'instant est en place à l'image ici d'Abana. Ils ont gagné 10 mètres sur la passe. Ils viennent de récupérer le ballon. Allez, Castré qui n'arrive pas à enchaîner. Hein. Pourtant, une fois de plus, leur touche leur a permis de récupérer le ballon. Mais quand ils l'ont, ils ne trouvent pas de solution. Allez, la petite tape entre deux Sud-Africains. Rory Cocotte qui sera éventuellement sélectionnable pour les Bleus à partir de juillet. Si les Springboks ne font pas appel à lui entre temps. Sébastien Tillsbourg qui réclamait un en avant à M. Berdos qui a dit qu'il n'avait rien vu. Ce sera donc une mêlée pour Castres dans les 22 mètres de Toulon à l'heure de jeu. Là où souvent les choses basculent. Alors les entrées en jeu de Tomo et Po et de Bonello vont-ils les effets. C'est pas du tout la même mêlée avec ces deux joueurs. C'est plus du tout la même mêlée, vous allez voir. Mais Cocotte a introduit directement dans les pieds de sa deuxième ligne. Cette fois-ci, ça n'a pas échappé à Monsieur Verdos. Faute grossière là de Rory Cocotte sur une belle munition. Ah ouais. On n'a pas le Cocotte de l'an dernier hein, pour l'instant. Il avait remarqué que depuis un petit moment, Cocotte avait quand même introduit, on l'avait signalé en première mi-temps. Hein. Johnny Wilkinson va dégager le camp de Toulon pour amener le jeu à hauteur de la ligne médiane du pied droit. Et encore une fois, une touche rapidement en jouée. Ouh là là, c'est vrai que l'introduction. Dulin à la relance. Face à Fernandez Lobé, il est bien soutenu là sur cette action. Brice Dulin, le petit jeu au pied. Il est bien décroché. Ballon rendu là, il est bien décroché du Dosbourg. Et derrière, regardez. Ce joueur est sobre mais diablement efficace. Bien placé, bon jeu au pied derrière. Il permet de remettre la pression dans le camp de Castres. Trouve pas de solution, les Castres. Ils se débarrassent du ballon. Ils n'arrivent pas à avancer lors de leur transmission. Pour le moment, il me semble qu'ils ont récupéré un petit peu une mêlée. Malheureusement, ils ont perdu le ballon sur l'introduction. Ils ont une touche aussi qui les tient. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. En l'absence de réussite de Cocotte, ça suffit pas pour espérer prendre le score. Et le temps passe. Et Bonello lancé sur Capo Ortega. Rory Cocotte à nouveau du gauche. Long jeu au pied. Abana à la réception. Serre Armitage. Ouh qu'elle est bien tapée. Ouais, et Abana est monté comme une bombe pour dévier ce ballon et ramener ce ballon dans le camp du RCT avec Ali Williams. À la percussion, il a perdu ce ballon au contact. Il a perdu une munition. Ouais. Ouh là là, il y avait de quoi faire le break pour Ali Williams s'il avait conservé le ballon. Et Abana s'est fait mal sur cette action. Ali Williams, aussi aux côtes. Non, attendez. Non, vous récupérez bien le ballon, après vous le lâchez pas. Et qui c'est qui a plaqué encore hein. Le 9 est debout, il rate, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il est précieux dans le combat ce joueur. C'est vrai qu'il n'est pas en réussite sur son jeu au pied, mais il est précieux. Un petit mot peut-être avec David, Derek Carrière. David, il y a plus de ballons qu'en première mi-temps, mais il n'y a pas la solution pour le moment. Non, on n'arrive pas à trouver la solution, on se débarrasse un petit peu. Quand on va près de leur lit, on n'arrive pas à scorer. On n'arrive pas à scorer, donc voilà, que ce soit par Henri ou par l'action qu'on a eue là, on est un peu ralenti dans nos sorties de ballon. Il faut qu'on soit un peu meilleur sur les routes pour qu'on mette un plus de vitesse. Ah mais le champion reste en jeu dans cette finale. 5 points de retard seulement à la 63e minute. Lancé Bonello à suivre dans le camp du RCT. Deux blocs de touche là a priori. Impossible. Je vous ai fait la marque, esprit. Là. Ici. Et Monsieur Berdos qui rappelle à l'ordre son monnaie Tomo et Po. Voilà, c'est un peu n'importe quoi sur cette touche. Ali Williams qui était venu essayer de contester ce ballon. Rémi Thalès sous la pression. Intervention Monsieur Berdos, c'est un écran. C'est pas propre parce qu'au fond de lancement, il se complique un peu la ville et les Castres avaient un bloc qui était démarqué sur le second secteur. Le 12, sur le second joueur de l'alignement.
Et ils sont pris un peu psychologiquement par la pression de Toulonnais. Il n'y a aucune interférence sur le jeu. Et là, allez-y. Changement du côté de Castres avec la sortie de Romain Cabane, remplacé par Seremaia Baye. Le vieux guerrier Seremaia Baye qui a claqué un drop en prolongation, qui a renvoyé dans ses cordes Fabien Galthié et Montpellier. Tout le monde de bon, sur Cabane, alors que j'ai plutôt l'impression que c'est Lamora qui a des crampes depuis un petit moment. Je peux pas sur à côté de Talonneur. Mais c'est vrai que pour le moment, on a une deuxième mi-temps qui est terne, on va dire. Oui. L'enjeu l'emporte sur le jeu. Brian Abana a l'air un petit peu touché au bras, toujours. Je l'observe avec attention là, sur son aile. En attendant, on va jouer cette mêlée. Oui, il s'est un petit peu électrocuté sur le choc en l'air quand il a rabattu le ballon vers son camp tout à l'heure. Ouais. Mêlée dominatrice encore. Mais ils ont poussé avant l'introduction. Les Toulonnais sanctionnés par Monsieur Berdos, et ça joue rapidement avec Borman face à Johnny Wilkinson. Toujours le premier rempart en défense qui ne s'échappe pas. Baye, premier ballon à négocier pour lui. Bonne libération. Cocotte, Thalès. C'est là qu'il ne trouve pas de solution sur les transmissions. Voilà, il se débarrasse du ballon systématiquement. Ouais. Oh là 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 là. Ryan Abana qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis sous la pression de Lamora. Oui, et ils ont récupéré un bon ballon là. Les Castrés avec Thalès à la lutte et Armitage qui s'arrache pour servir Williams. Série de turnover. Matt Guito arrive pour libérer cette balle. Ouais, ballon contré, comme dirait Sylvain Marconnet. C'est un peu cafouillon hein, tout ça. Oui, comme dirait notre ami ancien pilier de grand talent, c'est un peu cafouillon. Ouais. On a une deuxième mi-temps qui... hein. L'enjeu a pris le pas sur le jeu. Je peux me tromper. Je sais bien, je comprends. Je peux me tromper, je l'accepte. Ah, voilà. Petite on y va, messieurs. Discussion entre Capo Ortega et Christophe Sanson avec Monsieur Berdos. Alors attendez. Qui a dit s'être trompé peut-être sur l'action précédente. Oui, sur le contest. C'est important parce que c'est un ballon qui a un turnover qui pouvait donner un avantage sérieux aux Castrés. 14 sur 15 hein, pour les Castrés en touche, 8 sur 12 pour Toulon, 9 sur 13 maintenant avec ce bon ballon dévié par Suta. Bien tapé. Max Evans, chassé là par Stéphane Armitage, Dulin tombe dans les bras d'Orioli. Elles sont dures, elles sont difficiles ces libérations pour les Castrés. Derrière, Rémi Thalès n'a d'autre choix que de se débarrasser du ballon au pied. En plus, il est trop long. On ne va pas s'embarrasser du côté d'Armitage, on va occuper. Voilà, ouais, elle est magnifique cette touche. Le temps court doucement, mais sûrement pour les Toulonnais qui viennent jouer dans les 30 mètres Castrés. On est toujours mieux dans le camp adverse que dans son camp. C'est la prise du sommeil. Hein. Les Toulonnais, là, ils sont en train d'endormir. Il ne faut pas qu'ils nous endorment à nous. Hein, les adversaires, comme ils l'ont fait en demi contre le Racing, comme ils l'ont fait contre les Saracens, ils savent le regard de serpent. Parfaitement ouais. Gérer le rythme de leur match. Ils ont le regard de serpent. Ils regardent comme ça. Mmh. C'est ça. Vos paupières sont lourdes, Fabien Galthié. L'entrée en jeu de Castro Giovanni, Philippe. Et oui, il a été chaudement motivé par Mourad Boudjelal juste avant de passer la ligne de touche et rentrer sur le terrain. Et c'est Karleman qui est pour l'instant remplacé pour un segment. Oui, Karleman. All Black. Guerrier All Black qui cède sa place à un international italien, italo-argentin d'origine argentine. Ouais. Champion d'Angleterre avec Leicester, champion d'Europe aussi, je pense. Élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre en 2007, si mes souvenirs sont bons, avec Leicester. Lancé Bonello. Encore un ballon capté hein, par l'alignement Castré. Capo Ortega qui a pris beaucoup de ballons en touche hein, ce soir. Oui, il est marqué. Hein, le bloc toulonnais lui laisse beaucoup de liberté. C'est sortir la fameuse Megana Kassou, là, la combinaison gagnante hein, du côté de Castres. Parce que pour l'instant, c'est gros embouteillage. Hein. Il n'arrive pas à trouver la faille dans cette défense de Toulon. Mitchell sous la pression là. Des Castrés qui récupèrent une nouvelle munition. Allez, il faut en faire bon usage s'ils veulent revenir dans cette finale, mais derrière, voilà le pragmatisme aussi en défense des Toulonnais. Il y a toujours des mains pour venir gratter ces ballons. Et quand on gratte les ballons, il y a toujours dans le coin un certain Stéphane Armitage, élu meilleur joueur de la scène européenne à l'issue de la finale.
Il y avait un premier turnover gagné par les Castrés. Voilà, le ballon est dans le camp Castré. Là, le ballon est ramassé. Il est chassé. Et là on... Castro Giovanni sur ses appuis. Voilà, qui était venu mettre les mains. Les mots de Fernandez Lobé. Pendant ce temps-là, le capitaine Johnny Wilkinson renvoie le jeu dans le camp de Castres. 13 minutes à jouer, 5 points d'avance pour Toulon et un nouveau changement à Castres. Oui, avec la sortie de Rémi Thalès, remplacé par Kirkpatrick au poste de demi d'ouverture. On essaie de trouver la solution. Et oui. Et on a peut-être de Kirkpatrick. Qui était déjà rentré au cours de la première période sur saignement. 5. Il va rester 15 minutes pour trouver une solution. Il était rentré sur commotion, c'est vrai. Et d'ailleurs, Laurent, je crois que vous aviez une information importante à l'issue de ce match. Oui, tous les titulaires au coup d'envoi, les 30 titulaires du coup d'envoi seront contrôlés, contrôle antidopage pour tous les titulaires de cette finale. Les médecins sont dans les coursives. Fernandez Lobé a capté ce ballon. Orioli face à Herrera. Et on demande d'avoir la circulé. La puissance de Toulonnais. Ali Williams relève cette balle aidée par Fernandez Lobé. Fuseboard. On s'écarte pas du côté toulonnais. On joue une passe pour le moment. Menini dans l'axe qui a franchi. Et le bon contest ici de Capo Ortega. Sébastien Fuseboard est allé arracher ce ballon. Wilkinson la chandelle. Dulin. Il y a Guito qui arrive. C'est un arrêt de volée accordé. Non, pas de soucis, non problème. C'est un réflexe. On se calme. Castres ne trouve pas la solution, mais Toulon non plus. Hein. Ouais, mais c'est ils ont 7 points d'avance. Cadenassé. Ah ouais, ils ont. À partir du moment où ils ont scoré avec Wilkinson et qu'ils ont creusé l'écart, hein, au-delà d'une pénalité, on a senti les Toulonnais se mettre en position de défense, de contre et d'occupation. Alors les Castres sont-ils en mesure de faire basculer cette finale à 11 minutes et 50 secondes de la fin, 5 points de retard, il va falloir aller marquer un essai, transformer pour passer devant. Mais déjà il va falloir récupérer la possession parce que c'est un lancer Orioli pour Toulon, bien négocié sur Smith, Tiusboard avec Wilkinson qui attaque la ligne. Guito avec Armitage. Chic-chac là face à la Mera de Dylan Armitage qui fonctionne. Tiusboard, le renversement sur Castro Giovanni, il arrive lancer Menini. La transmission est mauvaise pour Jocelino Suta, ce sera une mêlée rendue au Castres. Un peu d'approximation dans le dernier c'est geste. Dommage parce que c'était entre guillemets la volonté de faire jouer un jeu de passe. Et qui a été malheureusement pas récompensé parce qu'ils avaient trouvé un intervalle sur ce petit jeu de passe en travant notamment Menini. Alors Cocotte qui discute avec Lamera et Kirkpatrick pour annoncer un peu la couleur derrière cette mêlée ordonnée alors qu'on revoit l'en avant de Jocelyn Osuta. Il manque un petit peu ça quoi, un peu de liberté. Plus d'initiative dans cette finale, dans ces matchs fermés. Parce que le rugby est capable de produire quand il prend un peu de mouvement. Là, c'est vraiment un match fermé. Oui, deuxième mi-temps fermé à double tour. 3-0 pour Toulon en 30 minutes. Alors qu'on avait vu une première mi-temps vraiment très aérée, très agréable. Il est fort en mêlée fermée des Toulonnais. Ça se relève. On va faire refaire cette mêlée. On refait le même ballon. Pardon ? Il va falloir tenter quelque chose. De toute façon, là maintenant. Ah, ils vont jouer. Est-ce qu'ils ont la capacité de casser la défense toulonnaise qui est quand même la meilleure du championnat hein. En partant de leur 22, les Castres, l'équipe de Castres n'est pas l'équipe la plus offensive du championnat. Par contre, en face, il y a la meilleure défense. Oui. 26 essais encaissés seulement sur l'ensemble de la saison par le RCT avant cette finale. Ça fait moins d'un par match. Hein. Ouais. Ils l'ont pris déjà. Donc normalement les statistiques sont justes. Ils ne devraient pas en prendre un second. Kirkpatrick et les Castres qui vont jouer depuis leurs 22 mètres avec Lamera. Ballon conservé. Cocotte qui lance Bormann. Stoppé par Smith. Cocotte à nouveau, même sens pour Sanson qui joue dans le dos pour Kirkpatrick qui échappe à Castro Giovanni.
Et encore une fois, Stéphane Armitage qui a essayé de gratter cette balle. Ah, ça va, il n'y a plus de vitesse. Plus de vitesse. Cocotte. Avec Brice Dulin qui revient dans le trafic, découpé là par Suta. Toujours plus de vitesse. Seremaya Bay maintenant. On passe pour Grosso. Et Bastaro sur ses appuis va permettre à Toulon de récupérer une pénalité. Alors, une importante. On a parlé de l'importance des coups de pied tout à l'heure de Rory Cocotte, mais celui-ci qui est à venir, Johnny Wilkinson, a peut-être au bout de son pied le bouclier. Regardez ce travail collectif, c'est Matt Guito qui va mettre au sol pour Mathieu Bastaro qui va venir mettre les mains pour contester ce ballon. C'est un peu loin pour lui. Armitage peut l'apprendre. Pour lui. Il l'a fait l'autre jour à Marseille. Hein. Ouais, en demi-finale contre le Munster, il avait passé exactement la même. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pris le tee. Balle de match. Hein. Ah oui, je vous dis balle de match. À 8 minutes de la fin. Et Johnny Wilkinson en grand seigneur, mais il sait qu'à cette distance, il sera court. Il sera un petit peu court, laisse sa place de buteur à Dallon Armitage. Qui avait inscrit un essai en finale l'an dernier, qui n'avait rien changé. Ah oui, bah, je pensais de la finale de Coupe d'Europe. Ouais, mais même en finale de championnat, il en avait mis un. Il a l'état d'esprit à mettre ce type de pénalité, à assommer l'adversaire. Il aime, c'est un joueur impétueux, c'est un joueur qui a des grosses qualités physiques, il a la frappe. C'est pas un buteur, mais il a la frappe, il est capable de la mettre. Et il peut mettre Castres à 8 points, soit plus d'un essai transformé. Vous parliez de balle de match. Oui, elle est là. C'en est une. Pour le rugby club toulonnais, à la 73e minute de cette finale, Dallon Armitage s'élance, c'est parti pour le buteur anglais, c'est bien parti, il y a la distance, il y a la précision, et Toulon prend 8 points d'avance. Encore une fois, le réalisme du RCT qui a mis la main sur ce match, sur cette finale, et qui prend maintenant 8 points d'avance. Changement, monsieur, du côté de Toulon avec la rentrée de Michael Classens à la place de Sébastien Tillousbord à la mêlée. Accrédité d'un très bon match, Sébastien Tillousbord ce soir. Remplacé par Michael Classens. 8 points de retard à remonter en un petit peu moins de 8 minutes, Fabien Galthié. Est-ce que c'est cuit pour Castres? On a déjà vu, mais là, franchement, quand on voit l'équipe de Toulon, quand on voit la saison de l'équipe de Toulon, quand on voit son organisation, quand on voit les joueurs qui la composent, franchement, c'est mission impossible. Classens en attendant à monter une chandelle dans les airs. Cocotte a perdu la possession du ballon. Monsieur Berdos considère que c'était un en avant quand le banc castrait considère qu'il y a eu une charge dans les airs sur Cocotte. Bastaro au centre du terrain. On va revenir à cet en avant de Cocotte et on va probablement avoir l'image au ralenti pour se faire une idée. Il y a de la tension dans les rangs castrés qui... Les castrés qui sentent bien que cette finale est en train de leur échapper. Ah ouais, clairement. Et changement de pilier droit à Castres. C'est Lazare qui rentre à la place d'Herrera dans un stade absolument en feu. Ouais. On ne reprendra pas les Toulonnais à 5 minutes de la fin. Non. Avec la saison qu'ils font. C'est pas la saison qu'ils font, c'est depuis 3 saisons maintenant qu'ils sont à ce niveau-là. 6e finale, Fabien, pour le rugby club toulonnais en 3 ans. À chaque fois, Bernard Laporte a amené cette équipe en finale. Ça a commencé par la finale du Challenge européen, perdu par Toulon face à Biarritz. Et puis, ces deux finales de top 14, pour l'instant perdues en 2012 contre le Stade Toulousain et en 2013 contre Castres, la 3e. Et peut-être la bonne pour le RCT. Trop de vécu, cette équipe, trop d'expérience. Trop de joueurs intelligents à tous les postes pour se faire reprendre à 5 minutes de la fin avec 8 points d'avance, c'est pas possible. Ouh, la belle réaction là, on met les fermés des Castrets qui veulent récupérer cette balle et ils vont y parvenir. Le temps presse maintenant pour le champion en titre encore pour 5 minutes. Belle réaction collective de la mêlée Castres. Comme quoi le coaching a fait son œuvre du côté de Castres. Vise Dulin pour aller en touche. Il faut marquer tout de suite un essai. Pour les Castrets, Pierre Mignoni encourage ses troupes. Toulon est à 5 minutes d'un 4e bouclier de Brennus. Et d'un doublé historique. On revoit l'effort du pack Castrets sur cette mêlée.
et le lancer de Bonello, il vaut cher. Ce lancer, Sanson est sollicité, mais elle n'est pas droite. Ouais. Ça sent de plus en plus bon là pour les Toulonnais, de Jacques Delmas, de Pierre Mignoni. Touche ou mêlée, les choux. Pardon ? C'est à moi que vous parlez ? Non, non, moi. Bon, je préfère. Allez les mecs, allez ! Rodrigo Ducaire, hein. Et Philippe Plafond, écoutez ça, 73% des internautes ont voté pour Johnny Wilkinson, talent d'or, pour son dernier match avec le Rugby Club Toulonnais ce soir. Sa Majesté Sir Johnny Wilkinson va probablement sortir par la grande porte, la plus belle pour cet immense joueur qui a tant apporté au RCT. Il s'est relancé à Toulon et il a aussi relancé le club depuis son arrivée. Et il va gagner ce soir probablement son troisième titre majeur avec le Rugby Club Toulonnais. Restez troisième ligne. Jouez-le, jouez-le. Non. Ça se relève. Le temps passe. La maîtrise est toujours toulonnaise. L'introduction et la possession, c'est que la scène. Les deux premières lignes se relèvent, c'est pour ça que ça passe un peu plus fort. Là, vous... Dans la tête des Toulonnais, là, c'est... Oui. Et dans la tête de ce joueur, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Fabien, vous avez vécu ça quand on est à 2 minutes de la fin de sa carrière ? Moi, j'étais sorti à 5 minutes de la fin. Vous aviez vécu exactement la même fin que Johnny Wilkinson. Hein. En 2003, vous étiez sorti, vous aussi, par la grande porte avec un titre de champion de France face au Stade français. Si je me souviens bien, vous étiez allé vous isoler dans le vestiaire. Ouais, hein ? 5 minutes. Mais le match était moins serré. J'en ai profité pour prendre un peu de temps pour moi. Lui, il faut qu'il se continue à bosser. Est-ce que là, il commence un peu à savourer Oui, vous pensez ? Ouais. Sauf que ce jour-là, il savoure. Surtout lui. Hein. Quand c'est terminé. Attention, là, il y a 8 points d'écart. Il doit assurer. Il est concentré sur ce qu'il doit faire. L'annonce. Et ça s'écroule encore du côté de. Et le temps qui passe. Menini, ça fait maintenant 2 minutes qu'on est sur cette mêlée. Des liaisons, bon, je reviens ici. Je change de côté parce que c'est là-bas. On revient ici, monsieur. Là, il est en train d'échanger avec Matt Guito, qui était à gauche, maintenant qui repasse à droite. Il lui dit, je vais te faire peut-être une passe pour que toi, ensuite, tu mises ton pied droit. Quel destin pour Johnny Wilkinson, qui a commencé sa carrière à 18 ans à Newcastle. Première saison professionnelle et un titre de champion d'Angleterre. C'était en 1998. Dernière saison en 2014 avec le Rugby Club Toulonnais à 35 ans. Regardez les larmes qui montent dans les yeux de Johnny Wilkinson. Il va sortir sur un titre de champion de France, un doublé historique, Coupe d'Europe, championnat pour Sa Majesté Sir Johnny Wilkinson, cette fantastique équipe de Galactique de Toulon qui règne sans partage sur le rugby hexagonal cette saison et le rugby européen depuis 2 ans maintenant. Les deux, vous allez me voir. Non, vos prédécesseurs. Oh, ça trépigne hein, sur le banc, Philippe, de Toulon. On tient plus en place. Attendez, on est sur un arrêt de jeu. 9 blancs. Et enfin, dernier changement du côté castré avec l'entrée de Cédric Garcia à la place de Rory Cocotte. Copieusement hué par le public de Toulon. On va rappeler un petit peu pour la petite histoire hein, Rory Cocotte qui d'abord s'était engagé pour aller jouer l'année prochaine à Toulon avant de se rétracter et de signer une prolongation de contrat avec Castres. Évidemment, le public de Toulon a de la mémoire. Il aura fait une fête de passe en finale. Ouais, la fin de la moustache. Et puis une fête de passe sur le contrat. Évidemment, il sort hué par le public de Toulon. Mais quel joueur, Rory Cocotte, et quelle belle équipe. Il faut aussi rendre hommage à cette équipe de Castres, Fabien, parce que très franchement, on avait annoncé une saison de transition pour les champions de France qui se séparaient de leur duo d'entraîneurs, les deux Lolo, Laurent Travers et Laurent Labitte. Eh bien, Darry Carrère et Mias ont réussi à ramener cette équipe en finale de championnat. Les Castrés ont fait de beaux champions cette année. Mais ils vont rendre les armes ce soir face aux Toulonnais. Trop fort, qui ont trop de maîtrise finalement sur cette finale ce soir. Parce que sans être géniaux, hein, les Toulonnais ont maîtrisé cette deuxième période. Oui. À partir du moment où ils ont pris le score juste avant la mi-temps et que Cocotte a échoué 3 fois d'affilée, il n'en fallait pas plus pour que les Toulonnais mettent la main sur ce match et, comme vous dites, appliquent la stratégie du serpent. C'est ça. Et ça enroule doucement mais sûrement autour de leur proie.
pour l'étouffer. Et l'avaler finalement. Et réaliser un fantastique doublé, les larmes de Mourad Boudjelal. Toulouse l'avait réalisé en 1996, mais à cette époque, la Coupe d'Europe se jouait sans les équipes anglaises. Toulon, en 2014, réalise le doublé Coupe d'Europe championnat. C'est une saison fantastique. 30 dernières secondes. Et le baroud d'honneur des Castrais qui veulent finir en beauté. Garcia pour Kirkpatrick. Et ils vont lancer une dernière offensive. Ils sont pris, ils n'arrivent pas à avancer. Et le problème, c'est ensuite la redistribution. Ils ne sont pas du tout redistribués, les Castrés. Garcia, Patrick, Lazare. Ah, il reste à quai, là, sur cette reprise d'appui. Ce ballon est toujours là. 5 secondes encore avant que le public toulonnais exulte ici au Stade de France et à Mayol et partout à Toulon. C'est terminé. C'est terminé cette finale. Avec la dernière possession pour les Castrais, Kirkpatrick, le coup de pied dans la diagonale surface à l'ailé, le baroud d'honneur de cette fantastique équipe de Castres qui va mourir les armes à la main ce soir face au grand rugby club toulonnais. Kirkpatrick pour Sanson, on est monté couper les extérieurs du côté de Matt Guito et Mathieu Bastaro. Regardez cette image, la pelouse de Mayol envahie par les supporters toulonnais. 22 ans après, Toulon va récupérer le bouclier de Brennus. Toulon va signer un formidable doublé. C'est fait. Toulon succède à Castres. Sir Johnny Wilkinson, Sa Majesté, sort par la grande porte sur un doublé historique. Un titre de champion de France. Quelle magnifique image. Et tous ses partenaires autour de lui tout de suite. Ils voulaient lui offrir ce doublé. Ils l'ont fait. La joie du staff, Tom Whitford qui est descendu avec Bernard Laporte, rejoindre Jacques Delmas et Pierre Mignoni. Ils ont échoué pendant 2 ans contre Toulouse et contre Castres. La troisième est la bonne. Immense joie pour les Toulonnais. Johnny Wilkinson et ses hommes l'ont fait. Fabien. Allez Philippe avec Mathieu Bastaro. Oh, Mathieu Bastaro qui vient de pousser un cri de joie que vous n'imaginez pas. Mathieu, qu'est-ce qu'on dit de cette finale, de ce titre enfin? La plupart, c'est un rêve de gosse. On a reçu quelque chose d'énorme. Vous avez sauté dans les bras de Johnny dès que ce coup de sifflet a retenti. C'était important d'aller le célébrer. Hein. Ça faisait partie des choses que je pourrais dire à mes enfants. J'ai joué avec un grand homme. Et lui offrir cette sortie-là, c'est magnifique. Merci Mathieu. Merci. Pendant cette interview, Philippe, vous aurez noté évidemment le God Save the Queen qui retentit ici au Stade français. Lui qui a été souvent notre meilleur ennemi, Johnny Wilkinson, qui sort en triomphe ce soir. Regardez ce Stade de France en fusion, ce public rouge et noir qui va retrouver ce fameux bout de bois. Ça n'était plus arrivé depuis 22 ans, depuis 1992. Sa Majesté au micro de Philippe. Eh oui, on a le bonheur d'avoir Johnny Wilkinson qui est champion de France. Ça y est, Johnny, et le doublé Coupe d'Europe, championnat de France. Qu'est-ce que vous dites après cet événement? Oh, c'est impossible. Tout ce que je peux faire, c'est de remercier toute l'équipe, toute la groupe, tous les entraîneurs, tout le public, Toulonnais, tout le public en France, l'équipe de Castres, les autres équipes dans le top 14, parce que, pour être honnête, ça a été une expérience... incroyable. Je ne peux pas trouver les bons mots pour l'expliquer. C'est juste un plaisir. Je vais continuer à regarder d'un peu plus loin qu'est-ce qui se passe dans le top 14, que ça m'a changé la vie. Est-ce que quand on est Johnny Wilkinson et qu'on arrête sa carrière ce soir sur un titre, on est extrêmement gai ou on est aussi extrêmement triste? Oui, je ne sais pas. C'est pour moi pareil. J'ai passé moitié de ma vie, toute ma vie... adulte avec un ballon dans le monde de rugby professionnel, ça va être un grand choc après le rugby, je sais, mais avec l'aide de toute l'équipe ici, c'est sûr que je vais avoir des bons souvenirs. On a l'impression que Toulon encore une fois écrasé, a étouffé son adversaire alors que Castres a beaucoup essayé. Oui, c'est sûr, c'est exactement ce qui s'est passé.
l'année dernière. Contre Cast, on sait que c'est une équipe magnifique, capable de gagner contre tout le monde. On a vu ça plusieurs fois. Alors pour nous, c'était important juste de garder notre calme, discipline et de continuer à travailler ensemble. C'est exactement ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez senti le soutien de vos partenaires et de vos adversaires qui sont venus vous saluer à la fin de ce match, et notamment le God Save the Queen qui a retenti ici au Stade de France? Ouais, je ne peux pas remercier assez tout ce qu'ils m'ont donné, le public ici en France, spécialement là à Toulon. Mais tout ce que je peux faire, c'est de dire merci pour le souvenir. On est une grande équipe. Hein. Ce n'est pas juste les joueurs sur le terrain ou dans le vestiaire, ou les entraîneurs, c'est tout le public aussi. On est une région, une grande équipe, et ça va rester comme ça. C'est sûrement à la hauteur de ce que vous aussi vous avez donné. Merci Johnny. Merci beaucoup. C'était un privilège, et la grande classe de Johnny Wilkinson, toujours au micro de Philippe Lafond. Et il a patienté, Rory Cocotte, ouais. Et on l'en remercie avec Laurent Belay. La grande classe de Rory. Félicité par Wilkinson. Tiens, ça c'est une image. Ça c'était une image, Rory. Il manque des points à la fin. Et puis il y a ces trois pénalités ratées pour vous dans ce match. Forcément, vous êtes un compétiteur, vous y avez beaucoup pensé. Merci, Mendy, j'ai raté, je savais ça. Mais bon, c'est une finale. Bien sûr, on n'était pas bien tactiquement. Moi, j'ai été pas bien. J'ai manqué trois, bien sûr, ça arrive. Mais bien sûr, prendre la leçon sur ça. Et après, on félicite tout le monde. C'est une grande chose pour eux. De gagner deux titres comme ça, j'espère pour eux. Il peut continuer de franchir une cape, parce que ça c'est bien pour le rugby mondial. Et c'est vrai que c'est difficile quand cette équipe elle prend le score, cette équipe de Toulon, elle est difficile, elle est bien en place défensivement, difficile de trouver des solutions. Bien sûr, il aime mettre la pression sur nous aujourd'hui, et on n'a pas transformé la pression sur eux aussi. On était, comme j'ai dit, pas bien tactiquement, je pense. On n'a pas mettre le bon jeu à la meilleure temps. Dans chaque mi-temps, mais comme ça, on prend le laisser chacun dans l'équipe et on prend la responsabilité de ne pas être gagnant dans une finale comme ça. Merci Henri pour votre sportivité et pour votre patience. Merci à vous. Allez Philippe avec Bernard Laporte. Allez Bernard Laporte qui salue Laurent Emmanuelli qui fait partie aussi de son staff. Qu'est-ce qu'on dit Bernard de cette victoire, de ce doublé dont on rêvait en France depuis longtemps? Il y avait Toulouse qui l'avait réalisé à l'époque, mais il n'y avait pas encore les Anglais en Coupe d'Europe. On bat pas des records contre d'autres clubs, ça n'existe pas. Ça, on cherche à gagner des titres, on cherche à aller le plus loin possible à chaque fois pour vivre ça, des émotions comme ça. Ça a été une semaine avec beaucoup d'émotions. On a essayé de l'évacuer, on a essayé de la lever. Pas trop parler de Johnny. On a fait une belle réunion le jeudi où on s'est dit des choses que tu peux te dire que dans le rugby, quoi. Des choses qui font pleurer comme Jean Villa. Mais c'est tellement merveilleux de le voir partir. Et je leur ai dit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas gagner. C'est pas assez, c'est comme ça. Il faut qu'il parte et qu'il soit champion de France, c'est obligé. Mais imaginez s'il était parti à l'issue de ce cours du stade. Non. Bravo à lui, bravo à tous, bravo à toute l'équipe et bravo à tous les gens qui nous suivent toute l'année. Toulon, c'est une ville populaire. Voilà, c'est des gens simples, c'est des gens qui ont besoin de bonheur. J'espère qu'on leur en a donné pour 20 ans et que surtout c'est pas fini, qu'ils continuent de nous aider parce qu'on est bien avec eux. Merci Bernard. Oui, c'est à mon avis loin d'être terminé, hein, ce règne de Toulon. Et évidemment, Johnny Wilkinson a tendance un petit peu à éclipser tout ce qui se passe autour de lui. On est très focalisé sur sa sortie parce que c'est un joueur de grande classe. Mais il ne faut pas oublier tout le travail des autres. Matt Guiteau, on pourrait citer tous les noms qui composent cette équipe du rugby club toulonnais. C'est un nouveau modèle aussi dans le rugby français, Fabien Galthié. Clairement, on est allé chercher des joueurs champions du monde, on l'a dit tout au long du direct. Mais derrière, il faut pouvoir créer l'esprit d'équipe. Et ça, Bernard Laporte l'a fait avec Maestria, 6 finales en 3 ans et 3 titres, 2 de champion d'Europe et ce bouclier ce soir. Ouais, faut oublier que le président Bouchenal est allé chercher cette équipe en deuxième division. Il est parti avec beaucoup d'ambition, il a recruté des grands joueurs, il a continué sur cette politique alors qu'il était assez critiqué et que son équipe avait du mal à performer et à paraître parmi les meilleurs. Et puis là, depuis 3 ans, et il faut saluer le travail de Bernard Laporte, hein, depuis 3 ans, cette équipe est allée au bout des deux compétitions, vous l'avez dit, 6 finales. Elle n'a pas toutes gagnées, mais cette année, c'est le doublé. Et pour quelqu'un qui œuvre au quotidien dans le top 14 et dans la Coupe d'Europe, je peux témoigner de la puissance des Toulonnais cette année.
c'est magnifique. Je ne sais pas si d'autres équipes arriveront à le faire, mais ils ont mis la barre très très haut cette année. Alors évidemment, le Castres olympique espérait conserver son bouclier, mais Rémi Thalès, comme les Castrais, bien ont vu s'incliner face à Toulon. Il est avec Laurent. Oui Rémi, bon, c'est pas le même dénouement que l'an dernier quand on vient serrer les mains des copains supporters. Forcément, eh bien, c'est pas la même, la même chose. Ouais, forcément ça. Ça n'a pas du tout la même faveur. Ferveur, je suis désolé, je suis un peu truc. Bon, il n'y avait pas photo ce soir. Toulon est au-dessus de nous, il faut vraiment les féliciter. Et voilà, les finales, on les joue pour les gagner. Et ce soir, on est tombé contre plus fort que nous. Rémi, en première mi-temps, vous avez eu une petite commotion. Comment ça va? Ça va mieux. C'est vrai que j'ai pris deux coups sur la tête en début de match. Et voilà, on a fait le protocole et tout allait bien. Mais voilà, ça m'a fait du bien de souffler un peu 5 minutes. Mais bah, c'est rien de grave. Maintenant, il y a une nuit à vivre avec les amis avec qui on a partagé toute la saison, même sans Brennus. Ouais, on a quand même fait une saison énorme. Personne ne nous attendait ici aujourd'hui. Et on a prouvé qu'on était une grande équipe et on est déçus pour ce soir, mais on est quand même fiers du parcours qu'on a eu cette saison. Merci à vous. Oui, ils peuvent l'être hein, parce qu'ils sont allés quand même battre en match de barrage Clermont qui n'avait plus perdu depuis 77 matchs avant de vous faire tomber, vous et votre équipe de Montpellier. Philippe, avec les Toulonnais et un Matt Guiteau heureux, j'imagine. Et avec le petit léveil dans ses bras, comme d'habitude. C'est une habitude qu'on a prise avec Matt. Matt, qu'est-ce qu'on dit de cette victoire, de ce championnat de France, enfin de ce bouclier de Brennus que vous décrochez ce soir? Oui, mais j'essaie que c'est la meilleure chose en France. Et c'est vraiment dur, le top 14. C'est une saison très longue, très dure. Mais je n'ai pas le mot pour comment je me sens, mais c'est incroyable. Je suis content pour tout le monde, pour moi, pour ma famille, pour tout le club. C'est énorme. C'est vraiment un rêve de moi. Dans le cœur, qu'est-ce qui est le plus fort? Une Coupe d'Europe ou ce bouclier de Brennus ici ce soir à Paris au Stade de France? Mais c'est dur de dire parce que c'est la première fois pour moi, le top 14, mais la semaine dernière c'était la deuxième fois, le Age Gap. Mais c'est vraiment différent, mais je sais que c'est très important en France. Et c'est la première fois depuis pendant 20 ans, je crois, pour Toulon. C'est énorme, c'est incroyable. Merci Matt. Ouais. Énorme comme vous disiez. Hein. Énorme. Quelle histoire que celle de Matt Guiteau qui a quitté l'Australie. Il n'était plus dans les plans du sélectionneur. Il s'est dit je vais tenter l'aventure en Europe. Il débarque à Toulon et il gagne des titres avec Toulon. C'est le cas de Stephen Armitage aussi, boudé par le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Voilà ces joueurs de calibre international qui arrivent à se fondre comme ça dans un collectif et a constitué une équipe assez fantastique. On le rappelle, Fabien, vous parliez d'adaptation. Quand on entend Johnny Wilkinson s'exprimer dans un français parfait, quand on entend Matt Guiteau également s'exprimer dans un français parfait, on comprend aussi ce que vivent ces joueurs-là aussi entre eux et l'effort qu'ils font pour s'acclimater à leur pays d'accueil finalement. Oui, c'est la force aussi de Bernard Laporte qui a su construire une équipe avec toutes ces stars, hein, Bakis Botta champion du monde, Juan Smith champion du monde, Abana champion du monde, Wilkinson champion du monde, vous avez parlé de Guiteau, Ali Williams. Il faut arriver ensuite à faire une équipe de rugby, c'est des mecs qui s'apprécient, c'est des mecs qui ont envie de passer du temps ensemble. Et il a réussi avec tout le savoir-faire qu'on lui connaît. Ah bah, chapeau, et à chaque interview, chaque intervention, on le ressent. Hein, et le grand artisan de tout ça, il faut lui rendre hommage, c'est Mourad Boudjelal qui est en compagnie de Laurent. Oui, Mourad. Fabien Galthié disait, on prend des joueurs qui ont des noms, qui ont des palmarès, mais après, il faut en faire une équipe. Et comme le disait Mathieu, vous êtes l'architecte du retour du Brennus à Mayol. C'est un truc incroyable parce que cette soirée-là, je l'ai vécu 50 000 fois depuis que je suis président d'université. Mais je l'ai vécu comme un fantasme, comme un truc impossible. Et tu le vis en vrai, tu as l'impression que tu le revis la 50 millième et une fois. Quoi. C'est fou. On est champion de France. Moi, je suis venu dans ce club pour changer son destin il y a 8 ans. Je l'avais dit un soir où Johnny avait signé à Toulon. C'était à Dax. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai rempli ma mission. Quoi. J'ai changé le destin de ce club. Il a gagné la Coupe d'Europe, il a gagné le top 14 cette année, c'est extraordinaire. Et le Stade de France qui chante le pilou-pilou derrière nous. C'est énorme. C'est Toulon. Moi je suis toulonnais, je suis ému parce que je l'ai fait pour ma ville, je l'ai fait pour les miens, quoi. C'est pour ramener ça chez moi. Voilà, j'ai vécu ça en 92 et je m'étais juré quand ça allait pas bien, je m'étais juré de ramener le bouclier à Toulon.
À l'époque où on prenait des branlées tous les week-ends, après quand on était en Pro D2, je m'étais juré de ramener le bouclier à Toulon et je l'ai fait. Je suis fier pour moi, mais je l'ai fait grâce à ma ville. Parce que Toulon, c'est pas un club comme on l'écrit des fois. C'est des Toulonnais qui ont construit cette équipe avec moi. Et ce titre de champion de France et cette Coupe d'Europe, elle appartient à tous les Toulonnais. C'est chacun y a mis ce qu'il faut. Et ils nous ont donné la force, l'argent, l'énergie pour qu'aujourd'hui Toulon soit champion de France. Ouais, les étrangers, ils sont encore plus Toulonnais que les Toulonnais. On voit un Bakis Botas qui fait encore ce soir, c'est hallucinant. Dans le style Toulonnais quand même. Hein. Oui, mais s'il n'y a pas d'étrangers, il y a des joueurs de rugby qui prennent la nationalité toulonnaise. C'est stupide tous ces trucs-là, c'est stupide. Voilà, et puis je suis heureux pour Johnny parce qu'il termine sur un doublé. C'est le plus grand joueur qui termine sur un truc énorme. Rien que pour ça, c'est énorme. Voilà. Merci, merci et puis bravo. Allez, on enchaîne avec Stéphane Armitage en compagnie de Philippe. Eh bien oui, on va en parler des étrangers qui sont venus jouer à Toulon. Stéphane Armitage, même si vous avez aussi joué au rugby en France bien avant quand vous étiez petit. Qu'est-ce que ça vous fait ce titre, ce bouclier de Brennus ce soir? C'est énorme de plaisir. Ça fait 3 ans maintenant qu'on essaye de gagner et finalement ça fait vraiment du bonheur de gagner, de voir tous les joueurs. Johnny qui repart avec un très grand souvenir, Jovenica, Danny Rousseau, ça fait plaisir. Même les gens qui partent ailleurs, Alexis Palais-Empire et Gunther, il y en a plusieurs, mais ça fait bien plaisir de redonner quelque chose aux joueurs et surtout aux supporters de Toulon qui sont venus de Toulon ce soir pour nous supporter. Et même toute la saison, ils sont voyagés partout. Et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Et je suis content. Vous qui venez justement de partout en Europe et du monde, on a l'impression qu'à Toulon, vous, ces grands joueurs, vous avez réussi à former une famille. Est-ce qu'on se trompe? On a l'impression que cette équipe a vraiment pris. Ah non, franchement, ici, même si on vient de partout dans le monde, on est tous venus, on est bien ensemble. Et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner ce soir, c'est qu'on savait entre tout le monde, entre nous tous, qu'on pouvait le faire et voilà, il fallait juste travailler pour le mec à côté de toi et voilà, et après ça, c'est basta. Job done, le boulot a été fait, merci Stéphane, bravo. Et lui aussi s'exprime dans un français parfait, il faut le rappeler. Il aurait pu être international français hein, comme son frère, puisqu'il avait débuté le rugby à Nice. Ça va être de la folie demain à Toulon. Et je vous le dis tout net, on a mis un dispositif spécial pour vous faire vivre le retour des héros sur la rade demain en direct. Tout au long de l'après-midi à Roland-Garros, on sera partout avec les Toulonnais, on va voyager avec eux, on sera sur le bateau qui les amènera dans la rade, on les accompagnera jusque sur le balcon de la mairie, jusqu'à la place de la Liberté. On va vivre de grands moments avec les Toulonnais de Sir Johnny Wilkinson. Alors maintenant, c'est le premier jour du reste de sa vie qui commence à Johnny Wilkinson. Fabien, vous êtes passé par là. Là, dans quel état d'esprit il est, alors que, évidemment, on rend hommage au club champion de France et finaliste ce soir qui cède son bouclier avec la montée des marches des Castrets. Johnny Wilkinson, on se souvient de cette image l'an dernier, qui avait longtemps observé au bas de cette tribune présidentielle les Castrets soulever le bouclier de Brennus, triste, comme ça lui était rarement arrivé dans sa carrière. Ce soir, les choses ont basculé et il sort de la plus belle des manières. Ah, il a pris le bouclier et on ne lui reprendra pas puisqu'il ne le redisse. Il ne disputera pas la saison suivante, donc il le gardera pour la suite de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que d'abord il va profiter de quelques week-ends, parce que vous savez quand vous jouez au rugby, vous n'avez pas beaucoup de week-ends. Et puis je ne serais pas surpris de le voir rapidement intégrer un staff technique, parce que je pense que c'est un formidable compétiteur qui a beaucoup, beaucoup à donner et beaucoup à transmettre. Alors a priori Fabien, il restera dans le staff du Rugby Club Toulonnais la saison prochaine. Il viendra de manière épisodique, peut-être une fois par semaine ou une semaine par mois. Les choses sont pas encore tout à fait clairement définies, mais il restera évidemment au club. Le souhait de Mourad Boudjelal, c'est qu'il devienne évidemment un ambassadeur du Rugby Club Toulonnais pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Toulon. Alors qu'on rend hommage aussi à cette équipe de Castres, cette belle équipe qui a terminé sixième de la saison régulière, mais qui a réussi aussi à se hisser jusqu'en finale du championnat. On le disait à la prise d'antenne, cette équipe a souvent l'habitude de se transcender, de se sublimer pour les grands matchs. Ce soir, qu'est-ce qui leur a manqué, Fabien? Ils ont pourtant pris le score, hein. On se souvient de cet essai fantastique
Evans. Ensuite, malheureusement, ils sont tombés sur une équipe qui était très forte. Les Toulonnais qui ne se sont pas affolés, qui ont d'abord construit leur victoire sur leur puissance, la puissance de la mêlée, la puissance de leur défense. Et ensuite, et on va reparler de Johnny Wilkinson qui a fait un 100% aujourd'hui, un drop goal. Ils ont pris le score doucement, mais sûrement. Et ensuite, les Gascons n'ont pas eu la puissance pour déséquilibrer la défense toulonnaise, ni la vitesse, rien. Ils étaient étouffés par cette équipe à totale confiance que sont des Toulonnais en ce moment. Oui, des Toulonnais qui n'ont plus perdu depuis plus de deux mois. La dernière défaite remonte au 22 mars à Clermont, 22-16. Depuis, Toulon a enchaîné les victoires, a enchaîné les matchs à une cadence folle. Alors évidemment, il y avait des précautions qui avaient été prises. On a retenu les leçons du passé. On a fait appel à un préparateur physique pour aborder un petit peu mieux cette fin de saison. On s'est entouré, on a pris un camion de cryothérapie. Tout ça a compté aussi. Hein, dans la... Tout compte. C'est une somme de détails et tous les détails sont importants. De l'entraînement personnalisé de chacun, avec ce camion de cryothérapie qui permet de récupérer plus vite après les entraînements, qui permet d'arrêter les inflammations, les tendinites. C'est une équipe qui est assez âgée, Toulon. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dépassé la trentaine et il faut les gérer individuellement. Et l'expérience, surtout du passé, leur a permis de passer encore un palier. Mais il faut dire aussi que cette équipe, elle est composée de tellement de compétiteurs, de champions du monde, meilleur joueur du monde. C'est une équipe, capitaine d'équipe d'Argentine. Enfin, c'est une équipe qui est pleine de ressources. Et ça fait plaisir de voir Johnny Wilkinson avec le sourire, parce qu'on a tous en mémoire cette image à la fin de la finale de Coupe d'Europe. La semaine dernière, il avait tout retenu en lui. Il avait même déclaré après le match, le plus important, c'est le match qui arrive. Il s'est pas trompé. Ouais. Là, je pense qu'il va falloir lui dire que lundi, il faudra pas qu'il aille taper parce que lundi matin, il va se lever, il va prendre ses ballons, il va aller taper. Peut-être qu'il va y aller, remarquez. Ah, mais c'est pas impossible. Hein. On connaît le staccanoviste qu'est Johnny Wilkinson. Oui, Laurent. Oui, Mathieu, juste un tout petit mot avec Pierre Mignoni. Parce que Pierre Mignoni, il est heureux parce qu'avant d'en gagner une, vous en avez perdu combien, Pierre? Ouais. J'avais perdu 5, mais bon. Voilà, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Mais non, mais bravo aux joueurs, merci aux joueurs surtout. Un grand merci, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait cette année. Voilà, merci à tous nos supporters, aux supporters qui sont à Mayol. On sait que c'est plein. Voilà, c'est magnifique. Gagner, c'est beau. Allez-y, parce que c'est difficile d'aller chercher le bonus, ne manquez pas la montée. Attends, Laurent, garde Pierre juste une seconde. Oui, on le garde. Demande-lui qu'il va pouvoir souffler un petit peu quand Johnny va arrêter, parce qu'il passe demi-heure à l'échauffement avec lui à chaque match, c'est pas évident. Hein. Ouais, il va falloir que tu souffles un petit peu, dit Fabien Galtier, parce que les échauffements, il paraît que tu les fais à bloc. Oui, mais je refais ce que fait Fabien, c'est normal, hein, quand on donne une mêlée, j'en masse. La joie de Pierre Mignoni, de toute cette équipe de Toulon. Et Johnny Wilkinson, le capitaine du RCT, qui gravit les marches maintenant en direction du bouclier. Les supporters de Toulon ici qui n'attendent que ça, que Sir Johnny Wilkinson présente ce fameux bout de bois que tout joueur de rugby souhaite toucher un jour dans sa carrière, y compris des joueurs venus des quatre coins de la planète, comme c'est le cas dans cette équipe cosmopolite du RCT. Vous le disiez, c'est peut-être un fait unique dans l'histoire du rugby mondial, Fabien Galtier, la composition de cette équipe. Vous disiez, il y a des champions du monde à tous les étages, 720 sélections au coup d'envoi de ce match encore cet après-midi. On a rarement vu ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas le nombre de statistiques, donc je peux pas vous dire, mais c'est vrai que ça pèse lourd. Hein, le vécu de ce groupe de joueurs, les cultures différentes. Vous avez un Argentin, vous avez un Anglais, vous avez un Sud-Africain, vous avez un Australien, vous avez des joueurs d'origine néo-zélandaise. La richesse culturelle de cette équipe. Et les mots du président de la République, François Hollande, pour Johnny Wilkinson. Un seigneur de ce jeu qui s'arrête ce soir, qui est salué par l'ensemble du Stade de France, le président de la Fédération Française de Rugby maintenant, Pierre Camus. Manuel Valls, c'est la classe incarnée, ce joueur Johnny Wilkinson qui a tant donné au rugby club toulonnais, et ce club aussi l'a complètement relancé. Quand je disais ça tout à l'heure, il faut bien imaginer que Johnny Wilkinson, à un moment donné, il enchaînait les blessures, on n'était pas sûr qu'il pourrait revenir à son meilleur niveau. Il y est parvenu et c'est à Toulon qu'il a réalisé ça. Pratiquement 4 saisons sans jouer alors qu'il était à Newcastle,
après ce titre de champion du monde 2003, il a fallu qu'il migre vers la Méditerranée et son climat bienfaisant pour retrouver un physique pour lui permettre de rejouer au rugby. La succession va être, être lourde hein, à Toulon pour celui qui endossera le numéro 10 la saison prochaine. Ils aiment ça, ils aiment ça. Sans doute Frédéric Michalak, les larmes ici de Cédric Garcia. Frédéric Michalak qui était en tribune ce soir, mais qui va lui aussi remporter un bouclier de Brennus. Ils sont nombreux, on pense à Jovan Nicker qui a été longtemps le capitaine emblématique aussi de cette équipe du RCT, notamment lors de sa première participation en Coupe d'Europe, où Toulon était parvenu à se hisser en quart de finale, chutant à Montjuïc, à Barcelone, face à Perpignan. Drew Mitchell qui arrive cette saison et qui remporte deux titres. Brian Abana qui a gagné le Super Rugby, qui a été champion du monde avec les Sud-Africains. Karl Lehmann, champion du monde All Black. Il n'y a plus de place sur les armoires à la maison là, pour les trophées pour ces joueurs-là. C'est une équipe qui a de l'appétit. Hein, malgré leur parcours, on sentait qu'ils avaient faim, qu'ils avaient envie de faire un truc entre eux. C'est la force aussi de Bernard Laporte. C'est un entraîneur qui est très fédérateur et capable de construire des histoires avec ces joueurs-là. Image inversée, évidemment, ce soir par rapport à l'an passé. Ce sont les Castrets qui observent le triomphe du rugby club toulonnais. Chaque joueur va chercher sa médaille. Sébastien Thiousbord, accrédité d'une énorme saison au poste de demi-mêlée. Un joueur qui ne fait pas de bruit, qui travaille, qui s'est mis au service du collectif, qui est peu souvent appelé en équipe de France, mais il a réalisé une saison fantastique. Et puis, j'imagine que quand on est neuf et qu'on a le privilège de faire trois saisons avec un demi d'ouverture qui s'appelle Johnny Wilkinson. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et ouais. Il y a beaucoup de joueurs demi de mêlée qui auraient aimé lui faire quelques passes à l'entraînement. Maxime Mermoz qui n'est pas entré dans cette finale ce soir. Delon Armitage avec sa fille sur les épaules et le public toulonnais avec les banderoles qui rendent hommage évidemment à Johnny Wilkinson ce soir et à tout ce groupe qui a procuré tant de bonheur, tant de plaisir, comme l'a rappelé tout à l'heure Bernard Laporte, parce que oui, c'est l'essence même aussi du sport et du rugby avant tout, c'est de faire plaisir et de faire plaisir au plus grand nombre. Et on peut dire qu'on s'est régalé à suivre cette saison des Toulonnais. Et la discussion, Matt Guiteau, Johnny Wilkinson. Toujours Matt Guiteau, toujours... Le sourire, on a l'impression qu'il y a toujours un truc à faire. Hein, un joueur de VSR, comme on dit, qui a l'histoire aussi pour Jacques Desmas, qui va s'oublier ce bouclier lui aussi. Alors, l'heure approche. Le bouclier est là. Tout le monde attend ça dans le stade, un stade qui est resté comble. On peut rendre hommage aux supporters castrés qui sont là, qui ne désertent pas, qui ont envie de voir aussi le sacre des Toulonnais de Johnny Wilkinson pour sa dernière. Formidable public castré qui pourra être fier de son équipe également ce soir. Et même s'il y a de la détresse sur les visages des joueurs castrés. Allez, Johnny Wilkinson qui se saisit du bouclier de Brennus avec Matt Guiteau. Toulon, champion de France 2014. Les Australiens Drew Mitchell et Matt Guiteau qui entourent Johnny Wilkinson. Chris Mazoé qui a été porteur d'eau sur toutes les phases finales, blessé au genou, opéré et qui reviendra évidemment frais et disponible pour attaquer la nouvelle saison. Quelle est magnifique cette image du rugby club toulonnais qui succède donc à Castres. Et comme à son habitude, Brian Abana, il a sorti sa petite caméra, je ne vais pas citer la marque, mais pour immortaliser l'instant, il va se faire une belle petite compilation d'images à l'issue de sa première saison à Toulon. Richie Gray, l'Écossais, qui garde le sourire, c'est ouais, sympa. Mais il est nouveau ici, c'est sa première saison, et ils sont devant un final, il ne se rend pas trop compte du poids que ça a pour nous et pour les joueurs qui ferraillent dans ce championnat depuis quelques années. Et lui, ça s'est fait naturellement. Et ce public toulonnais qui a été gâté hein, cette saison quand même, une finale de Coupe d'Europe à Cardiff et la fin en apothéose ici au Stade de France
pour ce groupe, ça brille. Ce bouclier de Brennus. Et là, on retrouve un peu d'innocence dans l'attitude de Johnny Wilkinson, qui a toujours été tout en retenue, tout en mesure. Là, ce soir, vraiment, on a la sensation qu'il peut savourer enfin. Virgil Bruni, qui lui aussi va toucher ce bout de bois. Et puis, il y a deux jeunes joueurs français aussi qui se sont révélés dans cette équipe de Toulon. On pense à Chiocchi, à Menini, qui ont fait de très bons matchs, qui se sont révélés tout au long de la saison. On a parlé de Virgil Bruni, qui lui aussi a été sélectionné avec l'équipe de France. Mathieu Bastaro, qui fait une énorme saison au RCT. Sébastien Tillius-Bord, Maxime Mermoz. Ouais, Tony Klassen qui grimace, ça a échappé au castré cette saison. Ouais, tout le monde veut le petit cliché avec sa majesté sœur Johnny Wilkinson. Johnny B. God, l'ange blond au pied d'or, on l'a assumé tous les superlatifs au cours de sa carrière. Est-ce que Fabien Galthié, c'est le plus grand joueur que vous ayez eu à croiser au cours de votre carrière? Ah, c'est difficile parce que sur le circuit mondial, je pense à John Alomou, je pense au Sud-Africain Van der Westhuizen, je pense à... Mais il fait partie du... il est au panthéon des joueurs, des plus grands joueurs du monde. C'est un joueur qui a tout gagné, champion du monde, champion d'Angleterre, champion d'Europe, champion de France. C'est un buteur qui fait gagner ses équipes, c'est un joueur qui porte ses équipes. Ah, il est au panthéon. Après, vous savez, c'est un... Le rugby est un sport collectif, bien sûr. Et comme il le dit, et comme il le dit lui-même, hein, il est parce qu'il a des partenaires à ses côtés. Mais d'ailleurs, il symbolise l'humilité. Il incarne ça, ces valeurs-là, Johnny Wilkinson. Il a toujours été dans le partage. Même cette semaine, il savait qu'on allait être focalisé sur lui. Il a essayé toujours de ramener ce groupe au centre des débats, ce groupe toulonnais qui vit bien. On l'a entendu tout à l'heure avec Stéphane Armitage, qui lui aussi a fait une saison remarquable avec le RCT. Tiens, Romain Weber, le petit clin d'œil, champion de France évidemment avec Toulon en 92. Drew Mitchell, Matt Guiteau, les Australiens. Regardez Karl Emans, il n'ose pas s'approcher du bouclier, on le voit tourner autour. Il y a beaucoup de pudeur, Bakis Bota, la même chose, ils sont... Regardez, il ne s'approche pas. Et la photo officielle des champions de France 2014, les Toulonnais avec Mourad Boudjelal qui en fera peut-être une BD. Allez, la réaction du président de la République, François Hollande, avec Philippe Lafond. Monsieur le président de la République, qu'avez-vous pensé de cette finale et de ce nouveau champion qui était désigné ce soir au Stade de France? Bon, ça a été un match serré et fermé. Mais enfin, quand on a Wilkinson dans l'équipe, c'est vrai que ça fait la différence. Et Toulon est le champion d'Europe et aujourd'hui a gagné le championnat de France. Et c'est une belle équipe. Castres avait gagné l'année dernière. Bon, donc de toute façon, depuis deux ans, c'est Castres, puis Toulon. Mais ça a été un match incertain jusqu'à ce que la pénalité vienne clore le suspense. Mais, moi j'aime bien les deux équipes et puis il y a une ambiance extraordinaire. Vous avez vu ce qui s'est passé avant le match, ce public rassemblé, le centenaire de la Première Guerre mondiale, cette parade militaire, cet hélicoptère, des soldats qui descendent, apportent le bouclier de Brennus. Bon, c'est une belle image de la France. On vous a vu vous adresser assez longuement au capitaine Johnny Wilkinson. Oui. Ça vous touche particulièrement que ce joueur-là, cette légende du rugby, s'arrête ce soir? Oui, c'était son dernier match. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a un moment annoncé. On verra bien. C'est un joueur exemplaire qui a été un capitaine d'Angleterre exceptionnel, qui est capitaine de Toulon. Et je lui ai rappelé que la reine d'Angleterre venait et qu'il était invité pour le dîner en son honneur. Vous allez le revoir alors? J'espère qu'il pourra se libérer. Il m'a dit qu'il essaierait de le faire. Et c'est vraiment un joueur d'une grande délicatesse, d'une grande exemplarité. Et pour beaucoup de jeunes, c'est un modèle. Et là, aujourd'hui, c'est la différence. Hein, coup de botte, même si ce n'est pas lui qui a marqué la dernière pénalité, parce qu'il ne tire pas de loin. En tout cas, belle image de la part du président de la République. Merci beaucoup. Merci Philippe.
dans les pas de Johnny Wilkinson. Alors évidemment, on ne pouvait pas clôturer cette soirée sans lui rendre un hommage à Johnny Wilkinson. Il y a l'hommage par l'image hein, ce soir et ce titre de champion. Mais évidemment, on avait envie de vous remontrer un petit peu les grands moments de la carrière de Sir Johnny Wilkinson. C'est un portrait que retrace en une minute chrono l'excellent Philippe Lafon. Le 4 avril 98, un gamin de 19 ans, encore inconnu, tout juste champion d'Angleterre avec Newcastle, fait ses débuts avec le 15 de la Rose. 16 ans plus tard, au Stade de France, une immense star du rugby s'apprête à raccrocher les crampons. Jonathan Peter, dit Johnny Wilkinson. Ce qui restera avant tout de lui, sans doute, c'est cette silhouette, ce positionnement du corps, cette routine si particulière au moment de taper, souvent imitée depuis. Avec Johnny Wilkinson, le rugby se gagne d'abord à grands coups de pompe. 1246 points pour l'Angleterre, 36 drops en match international, record du monde. On l'oublie trop souvent, énorme défenseur aussi, longtemps blessé à force de tout donner en toutes circonstances. Ainsi s'est bâtie la légende Johnny Wilkinson. Avec l'Angleterre, il a tout gagné. Une Coupe du Monde en 2003, 4 tournois destination, dont un grand chelem en 2003 encore, 2 tournées avec les Lions britanniques. Anobli par la reine en 2004, Wilkinson devient officier de l'Empire britannique, à un grade du titre de Sir. Il lui a déjà été décerné par le public et les médias. Sir Johnny de la RAD, véritable stakhanoviste de l'entraînement, il a élevé le niveau de professionnalisme du rugby à un degré jamais atteint avant lui. Wilco de Toulon, à tout jamais double champion d'Europe, bouddhiste passionné de physique quantique, Johnny est parfait, humble, gentleman, il parle français avec toujours la précision du mot juste. 17 ans de carrière, le football aura eu Pelé, le rugby lui aura eu Johnny Wilkinson. Et il raccroche ce soir. So long, Sir Johnny. Et quelle sortie, regardez cette nuée de journalistes autour de Johnny Wilkinson qui y cherche. C'est sa maman qui est là, à Johnny Wilkinson, sa femme qui est là. Cette image de Johnny entouré de la femme de sa vie, voilà. Et on a quand même assisté, Fabien Gauthier, à un God Save the Queen au Stade de France en honneur de Johnny Wilkinson à un soir de finale de championnat de France. C'est génial. Comme l'a dit le président, notre sport nous donne quand même souvent l'exemple sur le comportement des supporters et sur ce qui dégage, sans forcer les choses, hein, c'était juste c'était naturel. C'était génial. Laurent ? Oui, avec Johnny. Johnny, on vous a vu avec la famille. C'est fini avec ce bout de bois maintenant. Le rugby, c'est fini. C'était très émouvant avec votre femme et vos parents. Oui, c'est là le secret du rugby, c'est le soutien. Les coéquipiers, c'est pas toujours les joueurs, on se casse, oui bien sûr c'est les joueurs, mais en plus c'est la famille, c'est les supporters et tout ça. J'ai été très honoré et privilégié d'avoir une famille comme ça avec ma femme aussi. On est avec mon frère aussi, on est une petite équipe et on est fort. J'ai notre ami Steve Black et Dave Ulred aussi qui sont là, mes deux entraîneurs. Alors, ça va être un plaisir de passer le reste de ma vie avec eux. Et la nuit à venir, le jour à venir avec les gens de Toulon, ça va être comment ça pour vous, Johnny? Oui, je ne sais pas exactement comment ça va passer le reste de ma vie, mais je sais avec oui, les supporters toulonnais, avec l'équipe ici, je sais que si je reste avec eux un peu dans le rôle d'entraîneur, ça va être magnifique un petit peu, mais aussi juste avoir les bons souvenirs comme ça, c'est super. Mais de passer la semaine qui vient avec les supporters à Toulon, ça va être une grande fête, je crois. Merci, Johnny, pour tout. Et nous y serons, et vous ne manquerez rien du retour des héros toulonnais demain sur la RAD avec le bouclier de Brennus, 22 ans après. Nous serons dans les pas de Johnny Wilkinson, de toute cette équipe toulonnaise demain, tout au long de l'après-midi, depuis Roland-Garros jusqu'à Stade 2. On a vécu une grande soirée de rugby, une soirée de classe à l'image de ce qu'incarne ce seigneur du jeu qu'est Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson qui tire sa révérence, et nous on a notre réalisateur Jean-Marc Lénoret qui nous quitte aussi après avoir réalisé pendant de longues années le rugby sur France Télévisions. On le remercie, Jean-Marc, on lui souhaite bon vent à lui aussi. On va souhaiter aussi
bon vent à tous nos téléspectateurs. Je voulais remercier toutes les équipes de France Télévisions qui étaient à nos côtés ce soir. Fabien Galthié, merci pour avoir commenté cette finale avec moi. Merci à Jean-Marc, donc à la réalisation, Jocelyne Strauss qui a réalisé un gros travail, et nos deux hommes de terrain, Philippe Lafont, Laurent Belay et Cédric Baudou aux manettes ce soir pour vous retransmettre cette finale. Toulon est champion de France 2014. La soirée continue évidemment sur France 2 avec Laurent Ruquier. On n'est pas couché, passez une bonne nuit. Le drop de Johnny Wilkinson face au perche, l'ange blond, pied d'or de Toulon.